Salut YouTube, nouvelle soirée, Mecha Bellum, on va tout déchirer. Je sais pas trop. On va voir. On va voir. Attends, c'était quoi? Compact. Bon, dans le chat, si vous voulez nous affronter, pas de soucis. De toute façon, il n'y a pas énormément de monde sur le jeu. Il suffit que vous lanciez des recherches du matchmaking en 2v2 à peu près en même temps que nous et on va probablement vite se trouver. Si vous tombez sur nous, de grâce, pas de stream snipe, jouez la réglo. Mais je crois que globalement, il y en a très peu. Oui, en fait, si vous tombez contre nous, quittez. Oh, tout simplement, c'est mieux. Pourquoi? Comme ça, on a les points. Comme ça, on a les points. On monte notre MMR, on est fort. Mais non, faites du spectacle. Genre, vous nous écrasez pendant toute la game et puis vous mourrez à la fin. Voilà. Déjà, regarde. La chambre passe triste. À côté. Belgian problème. Mais non, mais. Comment ça, Belgian problème? Mais comment ça, mais les Belgiennes n'ont pas de problème? Dès qu'on a un gouvernement, tout va bien. Oh, wait. Aïe, aïe, aïe. Effectivement, mais... on me dit que 600 de MMR, c'est on est bronze. Voilà. On est bronze. Ah, nous sommes bronze. Deux énormes bronzes. Allez, c'est parti. Bah, allez, j'ai ma spécialiste des géants, c'est parti. Ah, bon, voilà. Moi, je vais partir sur spécialiste aérien, allez. Ah, allez. Ça va sortir du phénix. Voilà, ah, on est tout collé, hein. C'est les... Ils sont en face de nous. Et en face de moi, ça snipe et ça Mustang. Ok. Arc-lumière, faiseur d'orage de mon côté. Les Mustangs, ça meurt bien sur les arcs de lumière, on est d'accord? Absolument. Mais après, les arcs-lumière, à la base, c'est pas très solide, mais dès que... Par contre, dès que l'arc-lumière va claquer son blindage, alors là, tu peux toujours te la foutre derrière l'oreille. Ouais, mais je veux dire, j'ai tellement de rampeurs, de trucs comme ça, que normalement, ça devrait pouvoir tanker. Ouais. Ouais, moi j'ai arc-lumière aussi et faiseur d'orage. Alors là, par contre, arc-lumière, faiseur d'orage... Wow, on va partir direct sur du phénix. Hein. Bah bien sûr, une valeur sûre, histoire de pas avoir d'amis tout de suite. Ouais, tu trouves que c'est un peu cancer le phénix? Bah en fait, c'est une fois le phénix, une fois que t'as le truc qui font qu'il repop quasiment à l'infini, c'est quand même très 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 solide. Oui, ça peut être... Si le reste de l'armée est bien composé, ouais, ça peut être, ouais, ça peut être très chiant. Oh, ça sort les snipers! Il y en a quand même beaucoup, hein, des snipers en général. Ouais, ça en a mis beaucoup, mais là du coup c'est bien, ça a bien tanké chez les rampeurs. Ça marche bien. Ça, je vais gagner le côté droit, perdre le gauche. Ah, ça devrait le faire. Je crois que je vais y arriver. Ah, mais en plus, il vient de donner un petit coup de main avec la balle d'acier. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, c'est bon aussi chez moi. Ouais. Voilà, de toute façon, on perd pas aujourd'hui, voilà. Évidemment, 100% d'une rate. Sauf quand ça compte pas. Sauf quand ça compte pas, bien sûr. Oh, vas-y. Je vais prendre une. Je vais faire une dinguerie. Attention. Ah. Je m'attends au mieux. Voilà, directement la dingue. T'attaques sur le flanc comme ça, tac. J'ai pris de quoi sortir des guêpes. Alors mes guêpes sont moins fortes, mais elles coûtent 100 de moins, ce qui est quand même beaucoup moins cher. Yes. Donc je vais tenter le spamming. Ah d'accord, ouais, le genre de mec cancer qui full spam une seule unité durant tout le jeu. Bah non, parce que là je vais me faire laver, mais par contre ça va être mon armée quoi. Il a des guêpes aussi en face. Ah. Plus un missile dans ma gueule, ah bah oui d'accord, si on m'aime pas faut le dire tout de suite. Oh j'ai tout le monde qui vient chez toi moi, regarde. Ah bah oui. Ça tombe bien parce que moi il y a full gap qui me déchire en deux là. Ah ouais. Ouais ouais, il est passé sur full gap. Sortir la petite forteresse avec le petit anti-missile aérien, ça va détendre. Ça va me détendre le fion, tiens ça, après Béka, après Armored Core. Ah ouais, y a pas... Ça va détendre ça. Ça m'a d'avoir le gros robot cette fois-ci. Ah là, c'est je rentre chez moi. ça gueule d'un coup, ça se met dans le canapé. Chérie, mon whisky. Ah oui, vas-y.
Oh, j'aime ce que je vois. Attends. Oh, j'aime. Ah oui, oui, t'avais plus rien, toi. Ah non, moi j'ai plus rien. Allez, j'arrive. Voilà. Voilà. J'ai même pas vu leur MMR à tous les deux. Après la même que la nôtre. Voilà, je prends rien. Pareil, je vais prendre ma forteresse avec... Et là, paf, nouvelle balle d'acier. Attends, je vais venir à ton secours dès le début. En fait, je voulais prendre une forteresse, mais je me suis trompé, j'ai pris un vulcain. On peut pas revendre pour changer, n'est-ce pas? Si, mais c'est pas 100%. Ouais, ouais, c'est pas dingue. Revendre, c'est où encore? C'est dans le centre de recherche. Ouais, je vais mettre le vulcain chez toi, hein, parce que bon... Récupération de terrain, c'est ça? Ouais, mais on récupère que 75%, je crois. Ah oui, c'est ça, tu récupères pas tout, hein, tu récupères jamais tout. Ah ouais, 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 tant pis, c'est pas grave, je vais t'appuyer, c'est fait exprès, regarde. Oui. Ah mais attends, regarde. Hop. Ah oui, comme ça, bim. Ah oui, ça je peux pas redéployer. Voilà. J'aurai plus de sous pour plus tard, on va dire. Oh, toutes les guêpes du monde que tu as mises. Bah oui, comme ça je te protège ton truc et c'est lui qui attire les projectiles pour essayer d'en faire quelque chose, hein, écoute. En vrai, ça a l'air de pas mal marcher. Les Mustangs. Oh, il va se faire sécher par les snipers. Oh, ça sort de l'impérial en face. Ah ouais. Ah bon, ça sortait un vulcan en face aussi. Ah bah d'accord. Oh bah ça s'est bien passé cette histoire. Bah en fait, grâce à toi, je me suis fait rouler dessus d'un côté. Donc je pense que tu vas pouvoir gagner. Écoute, voilà. C'est bon de mon côté. Ah, il reste quand même pas mal de trucs. Non, il non, a ça un va peu de faire. Mustang. Il a que 5 Mustangs, t'as suffisamment de gap avec les Phoenix, le Vulcain tire pas. Ah, il a un sniper par contre, j'ai deux, pas deux, vu. Deux, 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 deux. Ah merde. Ouais, mais ça tank, wow, t'as les. Ouais, les balles d'acier ça tank. Hein. Puis j'ai quand même encore pas mal de monde. Oh, oui. Heureusement, il était pas à moi ce bâtiment. Voilà. C'est bon. Reste que les Mustangs, c'est ok. Va peut-être pas gratter des masses. Ah, quand même, hein. Ah oui, quand même, il y avait encore du monde. Oui, mais Donc cette fois-ci, je vais donc pouvoir prendre une forteresse. Ah, j'aime ça. De mon côté, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre... Il y a son truc. Alors là, c'est bon avec la forteresse et les missiles anti-aériens, ça va pas faire le malin. Manquera plus que le petit bouclier derrière et en avant Guingamp, on sera bien. Bah écoute, là je tente une approche. Comme toi, t'es très solide sur ton flanc gauche, donc mon flanc droit. Je vais renforcer d'un seul coup mon flanc gauche. Ça, on va voir. Hein. Je prévois de quoi essayer de sniper l'impérial Rapidos. Il a pas encore mis de la masse en fait chez moi, donc j'en profite. Là, de toute façon, oui. S'il met la masse trop sur la droite, il y a le vulcain qui va aller les déboîter. Ouais. Et là, s'il met de la masse en face de moi, bon bah il faudra que je réagisse au tour prochain, mais oui. Mais là ça va. Non, il n'en a pas mis. Il a mis un deuxième impérial par contre. Oh mais bah, j'aime ce que je vois, mais oui, mais bien sûr. Oh, il a la réparation, merde, ah, ça c'est autre chose. Ça c'est pas le même délire. Ok, j'ai l'arc de lumière qui défonce les snipers. Oh, il est si solide. Oh, les dés. Oh, explosé. Oh, mais c'est incroyable tout ce qui reste. Oculus disparaît. Oh, les phénix l'ont ouvert. Ah bah c'est bon, on n'est pas loin de finir à cette manche. Oh là là, mais...
Ça y est, on va pouvoir commencer à faire des vidéos YouTube, le pire duo. Ah bah bien sûr. À bientôt les tutos, n'hésitez pas. Oh là là, ces petits Phoenix. Oh. Et ouais. Bah écoute. Ah pas encore, pas encore. Encore. Quel plaisir. Ouais, ce petit plaisir quand tu as toute ton armée en jaune comme ça, là. Ah là, toi, je vais te level up. Ah, toi, je vais te level up aussi. Ah, oh, oui. Toi, je vais te level up. Le pex. Ouais, c'est très satisfaisant de pex. Tout à fait. J'ai pas trop quoi faire là parce que je me sens un peu en confiance, mais du coup, c'est ouais, risqué pareil. Ça. Ouais, j'avoue que je me sens aussi très en confiance. C'est pas bon signe normalement. Non, c'est là qu'on va se faire retourner. Je vais changer d'approche d'un seul coup. Paf. Tac. Tac. Paf, paf. Voilà. Ok. Petit fumigène chez moi. Ouais, moi il y a le bouclier qui tangue bien. Ouais, mais fumigène ça ne. Ça affecte les unités aériennes. Il y a beaucoup de guêpes par contre, faut venir m'en coquiner moi. Ouais. Ouais. C'est monstrueux les phoenix avec la portée. C'est vraiment les snipers du ciel. Hein. Terrible. Après, je crois qu'il reste plus que deux vulcains, ouais. Ouais, bah tant qu'il a pas d'anti-aérien, ouais, quelques snipers, mais ça devrait le faire. J'ai mais pas encore veux plein de gars. Parce que tu vas détruire sa tour, voilà, regarde, tu détruis sa tour. Allez. Au final, la forteresse a tellement défendu que... Oui, j'avoue. Il lui aurait plus manqué qu'un petit soin, là. Ouais, j'avoue. Oh là là. Allez, Jean-Patrice, les Belgian problèmes. Bien joué, merci. Bien joué à vous et merci. Ils sont sur le stream, ils ont compris qu'il fallait perdre quand on tombe sur nous. C'est gentil. Ça fait du bien une victoire. Je sais plus ce que c'était. Ah, ben alors, après s'être fait malaxer les fesses sur Armored Core, ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien. La journée des portes ouvertes, je suis content qu'elles se referment là. Ah. Et on joue contre eux. Alors 828 et 285 en MMR, c'est le grand écart. Ah oui, effectivement. Contre Tom Hank, un le Terminator. Vrai, ah bien sûr, un Terminator et un Bambi. Le duo improbable. Alors. Ah, j'ai le spécialiste des géants. Ah. J'ai quoi ? Spécialiste de l'approvisionnement pour les 50 munitions en plus ou spécialiste tireur avec le sniper niveau 3 gratuit ? Pareil. Prends le sniper niveau 3. Ouais. Je vais prendre ça aussi. Tellement toujours value les snipers. Ouais. En fait, comme t'as des Mustangs. Des massues, c'est pardon. Je fais des massues, mais je fais pas des massues, je fais des Mustangs ou des trucs qui tirent quand même en l'air. Ça joue quoi en face? Moi il a pris pareil que moi, il a pris sniper en face. Ah en face moi ça a des phoenix, donc il me faut des choses qui ne pas les snipers tirent dessus les phoenix, je suis bête. Mais il va tanker avec des crocs devant. Faut de la masse quoi, pour occuper les phoenix. Ouais. Bah des petits, des crocs tout bêtement aussi. Ou des rampeurs. Tiens, moi je vais prendre un truc, ça fait un moment que j'ai pas trop joué. Ah merde, c'est trop cher, c'est vrai ça. J'avais oublié. Attention, il faut que ce soit bien aligné, sinon problème. Sinon, moi c'est une défaite psychologique déjà.
Ah ouais. Toi, non, il faut que ce soit tout bien. Tu fais partie de ces gens dans les jeux de construction, tout doit être, toutes les rues doivent être parallèles, tout doit être incroyable. Oui. C'est bien ce que je veux savoir. Du lock est, du lock est. Oh, ça fait beaucoup de snipers, j'aime pas ça. Ah oui, t'es pas du bon côté, je te regarde du. Ah mis... ouais. What the... Il a mis où c'est. Quoi ? Ah non, c'était des massues qu'il avait, c'était pas des. Il a pas le même truc que moi. Ah ! C'était pas des. C'était pas des. Des Mustangs qu'il avait, j'ai pas bien vu. Bon, c'est pas clair de mon côté. Donc il va gagner moi, a priori. Je crois que ça passe vite fait, j'ai un doute. Ouais, parce que je vais détruire ça, donc du coup c'est bon, ça passe chez moi. Moi je vais perdre. Ça passe. Moi je vais perdre. Voilà, après il me passe deux snipers et des rampeurs, il lui reste quoi ? Arc de lumière, un seul sniper, un massue. Ouais, moi non plus, on est deux à qui reste pas grand chose. Ça va beaucoup dépendre de l'ordre dans lequel vont arriver les unités. Ouais, mais j'ai les rampeurs au nord qui vont plus vite. Ah, mais ils vont vers le bâtiment, ils vont vers le. Ouais, mais le du coup, centre. ça va. Du coup, logiquement, le sniper va aller vers les rampeurs et du coup, on devrait pouvoir aller tuer l'arc de lumière, le Mustang. Bah écoute, il a pas l'air de changer de direction. Ah. Ouah. Oh, ça va te donner la victoire, je crois. Je pense, ouais. Ah, oui, clairement, parce que tu vas exploser l'arc lumière et puis après. Voilà, ouais. Il pète ton sniper. Maintenant, faut que ce soit le tien qui gagne. Ah bah, les deux sont tués en même temps. Ah. Et du coup, je vais aller chercher son deuxième bâtiment. On va accélérer. A ton avis, qui gagne entre une massue et. Mmh. Oui, oui, les 9 rampeurs. Bah, avec la destruction de bâtiment, j'ai peur que ce soit toi qui. C'est toi qui vas te retrouver nerfé. Ouais. Donc là, je crois qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de secret. Voir. Ah ouais. Ah non. Ah quoi que. Oh, quoi, oh, quoi, oh quoi, oui non, 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 non. C'est bon. Allez, on n'a pas encore perdu de PV. Ouf. Hero crawl. C'est genre rien. Ouais. Oh, la première manche après. Hein. Oui, oui, oui. Tranquille. Psychologiquement, c'est important. Ah mais oui, c'était des massues, je suis débile. C'était absolument pas des Mustangs. Les massues sont quand même un peu plus rapides que les snipers. C'est qui celui qui est énervé ? Comment ça qui est énervé ? Bah celui qui avait 800 et des de MMR. Tom Hanks. Ah, c'est celui qui est en face de toi. Ah. Moi j'ai le Bambi en théorie. Oh là là, il a déjà. Ouais, il a déjà dit. J'envoie du missile. Ouais, j'envoie un missile, c'est pas bon pour moi ça. Ah, moi je me fais rouler dessus. Ah ouais ? Ah, le missile il m'a mis dedans. Du coup, il va aller chercher tous mes snipers au corps à corps, c'est une catastrophe. Pas particulièrement bien non plus là. Ah, quoique. Quoique. C'est pas clair ce qui se passe. On a une compo très. Proche. Ah moi c'est je me suis fait ouzbékiser. Cette expression. Ah je l'ai eu. Mais il me reste pas grand chose. Ah ouf. Ah oui. Aïe aïe aïe. Aïe je t'ai dit hein, c'est compliqué. Oui, oui, là je vois, je vois. Oh là là, les premiers PV perdus ce soir. Terrible. Ouais, ils mettent fin terrible, à une série inarrêtable. Infini. Ok. Bah écoute, moi pour l'instant, ça peut aller.
Ouais, moi, il m'a bien... Ah mais c'est celui qui a 800, hein, a priori. Ah oui, ah oui. Il sait ce qu'il fait. C'est assez pour sortir un impérial, ça, oui. Allez, je fais le dengs. Je fais le dengs. Voilà, tout ça, on va forteresse avec bouclier en deux tours. T'as pris la visée laser ? De quoi ? Dans les améliorations, ou c'est l'autre ? C'est l'autre en face ? Je pense que c'est l'autre en face. Ouais, fait full Mustang en face, terrible. Ah ouais ? Ouais, ouais, il a pris le bonus Mustang moins cher. Bah alors ta forteresse elle va être peinard. J'espère. Bon, j'espère que le kit de réparation fera le taf sur l'impérial. Pour contrer ses snipers. Ça devrait être un sacré soutien en tout cas. Bah la réponse est oui, ça devrait bien se passer de mon côté. Ah quoique. Alors moi non, les phoenix me font mal, mais du coup prochain tour j'aurai l'amélioration avec la forteresse pour aller les chercher. Donc j'aurai plus le problème des phoenix. Ouais, je vois ça. Ouais, le phoenix c'est mon... fait très mal. Ah ouais, mais je crois qu'il va m'avoir aussi avant parce qu'il vient de péter mes bâtiments. Ah quoique. Ah on inverse les rôles. Merci le kit de réparation. Est-ce qu'il va suffire? Oh merde, par contre faut tirer sur ce sniper. Ouh, il fait mal. Aïe. Il fait mal, hein. Sniper niveau 3, la catastrophe. Ouais. Ah oui, c'est celui qui est niveau 3. Ah la vache, s'il était mort avant celui-là, ça allait. Les snipers niveau 1, je pense que ça allait, mais... Mais pas le celui-là. 3, ouais, c'était dur. Mais quid avec sa double réparation? Oh non. Ah si. Monsieur, vous êtes sale. Je sais, mais j'aime ça. Je peux mettre 3 unités sur le terrain. Bon, normalement maintenant ces Mustangs, on va les déboîter. Enfin, ces Mustangs, ces Phoenix, ils vont être déboîtés. Ça m'enlèvera déjà un problème. Après, il nous restera le bouclier, les petits Vulcains et on sera bien. Allez. Allez, let's go. Peut-être que cette fois-ci, j'arrêterai de prendre aussi des missiles dans la mouille. Ouais, les missiles, j'aime encore bien les mettre maintenant au-dessus de mes bâtiments. Ouais. En partant du principe que si jamais ça se passe mal et qu'il a une unité qui passe à travers les mailles du filet, boum. Ça protège un petit peu. Voilà. Mais la forteresse, elle détruit même pas les phoenix, c'est abusé. Elle est quoi?
Elle les détruit même pas avec les tirs, c'est pas suffisant. Il a fallu 3 tirs pour qu'elle tue. Mais ils ont pris le bouclier, non? Non, ils ont aucun bonus. Bon, par contre, du coup, grâce aux forteresses, ça se passe beaucoup mieux. De mon côté, ça... Ah oui, ça va, il me reste des rampeurs. Sinon, ça aurait été compliqué. Grâce au bouclier, c'est bon, ça passe. Ok. Voilà, je vais... Voilà. J'ai 3 snipers qui débarquent si nécessaire. C'est bon, c'est géré chez moi. C'est bon, mais tant mieux. Oh, t'as vu, il reste plus beaucoup de points de vie. Par contre, oui. C'est le moment de remonter, là. À 550. Est-ce que ce ne serait pas le moment? Est-ce que ce ne serait pas l'instant? La WAG! Oui, monsieur! Oui! Il va sortir un Vulcain. C'est peut-être... moi faire le mal, hein. C'est peut-être un petit peu mon objectif. Ah, moi j'ai sorti de Vulcain. Moi on m'a dit fais des robots. D'accord, je fais des robots. Je vais me prendre 3 hackers. Je vais avoir l'air d'un con. Là, je suis en train de me dire si j'ai vraiment masse rampeur du même côté, il va forcément prendre un Vulcain. Et après, il me suffit de rajouter quelques petits snipers par terre. Et hop, ouais, ouais. Et en bas, c'est réglé. Ok, pas de pirate en face, j'ai l'impression. Là. Ça sort du Phoenix. Elle a juste sorti un Vulcain. Ouais. Sorti du Vulcain chez moi pour contrer. Bien bavard ce cher Tom Hanks. Ah, moi j'ai mute. Ah oui. Ah oui, moi j'ai mute le chat, oui c'est bon. Ah mais il m'attaque par derrière. Oh là là. Ah mais les deux côtés. Je n'ai rien vu venir. Ah. C'est l'innocent personnage que je suis. Ouh, je galère un petit coup là. Ouais, c'est bon, j'ai plus le debuff. On devrait gagner. Je galère un petit peu moi. Je devrais le faire. Moi, je me suis fait. Je me suis fait mettre en difficulté. Oh oui, d'accord, t'as encore tout ça. Oui, oui. Oh oui, très bien. Et les snipers qui arrivent encore derrière. Ouais, ouais, je vois ça. Monsieur se met bien. Hein. Bon, moi, on m'a dit qu'il faut faire des gros robots. Je fais des gros robots. Il y en a d'autres qui s'énervent. Ah, et le Vulcain qui a quand même l'amabilité d'arriver en premier pour prendre des projectiles. Merci beaucoup monsieur Vulcain. Oh, puis en plus ils vont tous level up, ça va être incroyable, je vais être là. Oui. Augmenter le niveau, oui. Ouais, augmenter le niveau, oui. Il a un sniper plus, de niveau 5. Hein. Il le protège bien depuis le début. Le problème c'est que le sniper de niveau 5... Il va faire prout. Ouais, seul au monde. Le seul défaut c'est que j'ai pas détruit son bouclier du coup. Ouais. Par contre, ouais, tu lui mets quand même 800 points avec ça. C'est vrai. Ça, c'est fort, fort bien. Pom-pom-pom. Comment est-ce qu'il m'a oblitéré ma WAG, lui?
Voilà, maintenant je croise les droits qu'il ne fasse pas que des pirates. Oh, elle est belle ton armée comme avec les trois impériaux, tout ça, avec les... Ah, oh, c'est beau quand même. Mais là, je t'avoue que le but, c'est un petit peu... qu'il soit occupé avec ce qu'il y a en haut. Ça donne 300. Je peux avoir un truc pour 300? Ah ouais, attends. Clac. Voilà. Bon, par contre, là, il va... En face. Il va réagir fort. Ouais, ça devrait l'occuper un moment pour détruire mes impériaux. Ouais. Il y en a forcément un qui va passer. Je vais détruire un de ces bâtiments également, normalement. Voilà, il split bon, un petit peu ses tirs. C'est bon, ça a passé chez moi. Avec son bâtiment qui tombe. Oh là là, le zizir là. Pour les 4 impériaux intuables. Oh, ça fait un petit 1200 points ça. Eh ben attends, j'ai encore 800 points chez moi. Attends, ils étaient à combien de points de vie? Je sais pas. Est-ce qu'il y a... Est-ce que... Ah, ouais. Y a pas un monde. Oh. Attends, là, là il est en train de les aligner là. Est-ce que... Non, je vois ça. Mais là il m'a pété le bâtiment juste au pire moment et son sniper est en train de me défoncer mais... Oh là là, là, t'as vu ça? Oh. Ah oui, je vois ça. Ah mais son sniper était... Son sniper vient de laver toute mon armée hein. Ouais, je vois ça. 4 impériaux hein. Bon, j'espère que ça va le faire avec ce que je ramène. Le machin c'est le héros dans Stalingrad hein. Vas-y, fais le frire. Fais le fondre, voilà. Oui. Il va falloir partir monsieur maintenant, c'est trop tard. On ferme monsieur, on ferme. C'est tout sur le flanc, hein, tout sur le flanc gauche. Hein, le flanc droit, je connais pas. Parce que ah c'est... bon, il y a un flanc droit? Oh bah le flanc droit, je m'en occupe. Quel flanc droit? Ah mais j'ai même pas pris mes bonus de plus 10% d'attaque et de points de vie depuis le début de la partie. Oh, quelle honte. Cet homme oublie d'utiliser le bâtiment de recherche. Mes excuses. Oh la gueule de mon armée. Maintenant que j'ai les snipers qui tirent plus loin et avec qui sont bien plus nombreux. Oh là là. Voilà. Oh, qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Il a pris un petit vulcain et l'amélioration pour les trucs, mais tout va bien je pense. Très bien. Enfin je suis pas sûr mais moi c'est bon, pas de soucis, tout a été réglé en interne. Tout est sous contrôle, tout a été réglé en interne. Ouais. Merde, ils vont encore péter mon bâtiment par contre. Ça... Ça c'est moins la bonne nouvelle. Oh oui, oh le nerf avec... Allez. Ah. Est-ce que je peux l'avoir le sniper? Ah il est 7 son sniper, j'ai jamais vu une unité 7. Mais il a pris le bonus qui permet d'augmenter le niveau à chaque tour. À chaque tour il peut augmenter une unité de 1 niveau.
Eh ben écoute, on va voir. Après, il me reste quand même pas mal aussi. Il te reste pas mal, ouais. En plus, t'as bouclier, donc son Vulcain contre ton bouclier, il fait rien. Oh, mais c'est son sniper le problème. Comme il déchire. Oui, oui, il est très fort. Mais il est tout seul. Ton bouclier tiendra face au sniper, sans problème. Oui, oui, oui. Ah, mais voilà ce qu'il faut en vrai. Voilà ce qu'il faut en vrai. Petite forteresse au sol. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est fini ou pas? Non, il manque pas grand chose, mais pas grand chose. Zut flûte. Eh oui. Ouh, ça va prendre le javelot en face. Ah, y a des chances. Allez, faut finir. Ah ouais. C'est maintenant ou jamais. Exact. Avec son sniper 32 000, il y a niveau max des unités ou pas? J'ai aucune idée, figure-toi. Ah ça y est, il a sorti les anti aïe aïe aïe. Les anti aïe aïe aïe. Ah oui, les anti gros villas. Les anti aïe 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 aïe. Ah oui, t'as rien toi à part tes grosses unités. Ah si, j'ai des snipers derrière quoi. Ouais. Bah les snipers peuvent faire le taf hein sur les trucs. Ouais. Pris. Ah, ça va être plus chaud que prévu. Ouais. Ça va être chaud en tout cas. Après ça fait des crocs, ah je sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Aïe aïe, ah non, oh, l'émission ah de photons ah qui carry. En fait le problème que j'ai aussi c'est que mes 4 impériaux sont au même endroit donc parfois ils prennent les mêmes cibles, tu vois. Ah oui. Et ça c'est très, il y a beaucoup de dégâts perdus, je me rends compte que je les ai mis trop proches. Bah écoute, moi je pense que ça va quand même passer. Ah moi je vais encore me faire défoncer hein. Ouais. Ça a pas passé de beaucoup par contre. Je me suis encore fait avoir. Ça passe vraiment grâce aux snipers qui sont là depuis le début maintenant. Bah écoute, c'est toi qui as porté cette game. Après, la précédente c'était toi. Hein? Ah oui. La précédente c'était toi. Bon bah écoute, on va faire chacun son tour. Ah, ils ont du monde quand même encore. Bon non, ça va. Ça va, après ma forteresse elle fait des crocs là tous les 28 secondes, elle fait les 12 crocs aussi. Ah nice. Ah oui nice, c'est l'armée de crocs qui se retrouve derrière. Parfait ça. En plus voilà les phénix, ça dégage. Oh raté. Ouf. Le problème c'est qu'il a encore pas mal de 3 snipers quand même. Après ta forteresse est solide. Ah non mais ouais, face au croc c'est cool. Elle a le cœur plus 64% de points de vie. Ouais, c'est 3. Putain ces snipers font mal. Ah waouh. T'as vu ça? Ouais. Ah tu viens d'avoir le niveau 8. C'est bon. Voilà. Parce que mais ouais, GG. Mais non. Ah, si, c'est bon, voilà, je bah bon, voilà, bien c'est sûr. Bon. Nous n'avions jamais douté un seul instant. Ouf. Bravo. Félicitations, monsieur. C'est toi qui as porté la game, là. Ouais, chacun son tour. La précédente, c'était toi. Ok. Contre Raccourcix. Bonjour, Raccourcix. Et Senior Rosentrager. 650, 500. Ah oui, ils sont proches de nous. Ouais, on est pareil.
Ouais, j'avoue, tu viens de battre en duel un 800 de MMR, monsieur Mott. Oh, attention, la machine de guerre est en marche. Allez, je vais prendre la. Mais après, je joue que des géants en fait. En fait, si tu vois, à chaque fois que j'ai gagné, je joue uniquement les géants. Là, on me repropose spécialiste des géants. Forcément, je suis obligé de prendre aussi. C'est un peu comme proposer des bonbons à un enfant. Forcément, il va dire oui. Mais moi, c'est pareil. Petit sniper en face. Ouais, moi je les ai débloqués les snipers parce que sinon, vu qu'ils jouaient massue plus arc de lumière, j'étais cuit. Bon, moi je veux juste testouiller là. Merci Lerdwim pour les 16 mois. Merci Sneaky Gogo pour l'année. Merci à Spawn pour les 27 mois. Kerstan pour les 15 mois. Moridins, merci pour les 18 mois. Nariel Drakim, merci pour les 9 mois. Dubobu, merci aussi pour les 34 mois. Vico, merci pour le Prime. Et merci Vargas pour les 13 mois à l'instant. Allez, on va voir. Salut à ceux qui arrivent. Je me suis mis des petits Mustangs de ton côté, tiens, au cas où, pour te donner un petit coup de main. Allez. Comme c'est dit. Oh, ça sort déjà l'amélioration avec arc lumière et amélioration d'armure en face de toi. Ah ouais. Ah la violence. Ça va être ça rend les Mustangs absolument inefficaces contre ce genre d'unité. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai pris des snipers juste au moment où je me suis dit pour essayer d'avoir la chance de les vaincre. Oh la vache. Et il a aussi pris l'amélioration chez moi, interception de missile direct. Ah oui, ça claque les bon améliorations tout de suite. Ah ouais, quoi. Ouais, ouais. Très content du coup le sniper d'en avoir pris deux là, ça contre bien ces arcs de lumière. Mm-hmm. Par contre j'ai complètement perdu de l'autre côté. Ça donne quoi chez toi? Non, moi je vais perdre, hein. il a pris le pile poil l'amélioration qu'il fallait pas contre moi et il l'a déjà claqué. Ok. Après je touche un bâtiment adverse. Bouger, merci pour les 10 mois aussi. Parce que moi je suis cuit, il y a beaucoup trop. Non, non, moi c'est mort aussi. C'est une mort lente, mais une mort. Ouais. C'est pas grave. On leur laisse la première manche. C'était le montage psychologique. C'est le poker, on paye pour voir, allez. Et du coup, c'est-à-dire qu'ils ont déjà beaucoup dépensé dans les unités de base. Ouais, par contre, moi ils dépensent dans les Mustangs avec une amélioration qui lui sera utile pendant toute la game. Ouais. Alors que je trouve quelque chose quand même qui rend la chose value. Pom pom pom. Son petit sniper au milieu du bordel. Je vais remettre un sniper de ton côté pour essayer de continuer à te donner un coup de main. Partir sur des massues de mon côté. On va essayer. Oui. Ah ok, il a pris la menace souterraine, il l'a mise directement chez moi. Ah, mes petits Mustangs qui détruisent tous les rampeurs adverses là chez toi, ça me régale moi. Sache-le. Ah oui, j'avoue. Plus ça snipe le truc derrière, ouais, ok. Par contre, de l'autre côté, la catastrophe comme tantôt.
Ah bah chez moi ça avance par contre. Oh ouais, c'est pas mal là ce qui se passe. Oh bah écoute, ça me fait gagner là. Eh bah écoute, tant mieux. Les massues qui ont carry. Parce que du coup, moi par contre, ouais, il va lui rester beaucoup. Aïe, y a ton sniper qui se fait. Ouais, par contre, l'avantage c'est que tu vas pouvoir aller chercher son bâtiment facilement. Ouais, son bâtiment va tomber, ça va me donner un sacré avantage. Voilà. Voilà. Ouais, ça devrait le faire, hein. Avec le nerf du bâtiment, ça va le faire. J'aime bien comme ça le fait qu'on puisse jouer. Toi, je mets des unités du coup de ton côté pour t'aider, du coup, te faire gagner comme ça, bim. Ouais. Je trouve ça vachement intéressant là, sur cette map. Ouais, ouais. J'aime bien aussi la map collée. Franchement, c'est le meilleur des trois, je trouve, pour du coop. Oui. Oh, me dis pas que deux massues, vous allez pas réussir à faire quelque chose. Bon, faut le temps qu'il y ait des missiles qui touchent, écoute. Oui. L'apéro, l'happy hour était un petit peu plus compliqué, donc voilà, on sera pas peu... Faut interdire le pastis à l'intérieur des faiseurs de lumière. Pas sur quoi partir là maintenant. Ah. Prendre un appui d'arc lumière chez moi. Ah, pas bête. C'est vrai qu'ils soient légèrement en avant, surtout qu'ils sont un poil plus lents. Je commence à mettre la forteresse en place chez moi, bien sûr. Évidemment. Les bons réflexes. Oh, c'est joli la petite barre bleue là, comme ça, qui fait la largeur. Petite barre bleue. Ça me satisfaire, voilà, ce que tu es en train de voir là. Ah, ce que oui, tu viens ça. De faire. Ça m'a satisfait, sache-le. Essayez de ne pas être satisfait. C'était surtout pour contrer son sniper, voilà, qui est obligé d'attendre très longtemps. Ouais. Oh, ça avait mis des trucs sur le flanc, faudrait que je surveille. Ouais, pareil. Ouais, du coup son sniper... Du coup ça fait perdre ma porte terrestre. Aïe, aïe, voilà. Aïe. Là, c'est bon, là. Ouais, moi par contre, du coup, je me suis fait complètement avoir sur le flanc. La catastrophe. Ah. Bah j'ai du monde qui arrive, là. Je crois que je vais balancer le bonus de portée pour mes faiseurs d'orage. Histoire de bien pouvoir t'appuyer aussi de loin. Ah oui, c'est pas bête. Dès que j'en aurai fini avec celui qui est en face de moi, il je pourrais t'envoyer. Il va détruire ton bâtiment. Il va, oui. Ah, peut-être. Ouais, si ça va aller vite, hein, ça va aller très vite. Ouais, c'est bon. Ah, quoi que. De côté, ça va. Ça équilibre. Oh, quoi que. Non, t'as protégé le tien. Oui. Le nerf, encore une fois, le bâtiment qui est tombé, qui nous sauve. Eh, il a encore du monde, hein. Oui, ouais, je t'ai dit, il m'a complètement... C'est dommage de pas avoir un petit sniper qui traîne, là. Après, t'as tellement plus de... Ah, t'es plus nombreux. Buzzer d'orage. Bon, écoute, au pire des cas, c'est quasi un match nul, hein, ça. Oui. Ah, par contre, il a le premier tir. Ouais, mais t'as pas tiré juste avant. Ah, oh, non. Ah, il en reste un. Il en reste un. Oui, 50 points. Paf. Chez. Oh, l'amélioration de portée de 12. Oh oui, c'est oui ça. Pareil, j'ai craqué. Allez hop, mes faiseurs d'orage, ils tirent à l'autre bout de la map maintenant. La
question étant, que fais-je? Pars sur quoi, toi? Ah oui, il y a déjà le géant qui est parti. Quand tu me demandes, tu pars sur quoi? Alors que finalement, ça fait maintenant, je pense, 15 parties qu'on joue ensemble et que je passe 15 parties de suite que je pars sur géant. Tu t'attends oui. à quelle réponse? C'est vrai, à me surprendre, je m'attends à ce que tu me surprennes, mon cher Marmotte. Surprends-moi. Wouah, bon, j'ai juste fait des améliorations là. Putune, j'espère que ça va passer. J'ai même pas pu améliorer tout le monde. Bah ouais, l'achat du bonus de portée pour tout le monde, je trouve ça très ouais, fort, mais incroyable. C'est cher. C'est cher, ouais. C'est Carillon pour les 9 mois. J'aurais pu faire un discount, quoi. Ouais. Alors que ça sort une forteresse chez moi. Ah ça va me foutre dans la sauce. Ah ouais. Ouais parce que du coup il protège très 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 bien ses mustangs. Ah oui. Et donc le combo est très fort contre ça parce que ses mustangs défoncent les missiles de mes faiseurs d'orage. Ouais. Et donc ouais, les missiles c'est ce qui menace le bouclier de la forteresse. Mais ça passe quand même parce que voilà, le swag. Bah, bravo. En fait c'est marrant parce que cette game c'est l'inverse de la précédente. Je me fais rouler dessus à chaque fois et c'est toi à chaque fois qui sauve la game. Ah bah écoute, là j'ai quand même plus grand chose. Par contre mes faiseurs d'orage ont une portée de zinzin. Et son bâtiment va tomber juste avant le mien, donc ça c'est impeccable ça. Hop là. Allez vite, faut en profiter. Ouais, pour finir au moins les Mustangs. Ah oui, si la petite salve là pouvait les annihiler, voilà. Il y a quand même encore du monde. Allez les massues. Allez les massues, je crois en vous. Il y a un missile qui doit faire le taf. Quoi ? Il y a des fumigènes partout par chez toi. Oui, bah moi j'ai mis et mon adversaire en a mis aussi. Au même coup. C'est l'arc de lumière qui a tanké là, il était incroyable hein, parce que du coup c'est toi qui as la première salve. J'ai plus de portée, je crois, je suis pas sûr qu'il et ait l'amélioré lui. Plus de portée. Non, il n'a pas. Oh mais l'amélioration de portée, la portée ah, les amis, toujours. Par contre on les gratte, on les gratouille hein. On les gratouille. Fait des petites grattes sur le dos. Hacker de niveau 3, ça peut être la blague, mais Est-ce que t'en as besoin? Oui, mais ça, c'est comme me demander, est-ce que j'ai besoin d'Outrider sur 40k, Marmotte? Est-ce que j'en ai besoin? Bah, la réponse est oui. Évidemment. Voilà, c'est pareil. Ouais, alors par contre son truc là il m'emballe pour des masses hein. Je t'ai mis une petite forteresse bouclier sur ton flanc gauche pour venir te donner un coup de main. Je me demande des fois ça les met en confiance d'avoir les Mustangs avec l'antimissile et en fait après tu bourres les faiseurs d'orage et au final il y a trop de missiles en fait, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, les Mustangs, tant qu'ils tirent sur les missiles, ils tirent pas sur les faiseurs d'orage. Et ils tirent sur rien d'autre, oui. C'est ça. Ils tirent sur rien d'autre. En fait, tu les mets sous une pluie de missiles constante. Ouais. Et tac. Et tac, exactement. Et alors, le mieux, hein, ça va être de les espacer légèrement pour avoir des salves consécutives qui ne sont pas tirées au même moment et comme ça fait brr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 
Bon, par contre, ça va faire exactement comme 100% des games pour l'instant. Je me fais rouler dessus sur la droite. Ah ouais? Et la gauche va gagner grâce à toi. Attends, j'ai pas encore gagné. Oh, les deux forteresses qui tombent. Non, il y a trop de missiles. Ça ouais, mais passe. Après, dis-toi, là, la forteresse, c'est chez moi. J'ai encore deux snipers. Ah, mais oui, t'as encore une forteresse. T'as... C'est pas grave. Oui, je sniper le sniper. Oh, si j'arrive à voir. Oui! Ah. Le sniper de marmotte qui est tombé! C'est quoi cette guerre d'artillerie là? Je vois, je suis sur le côté, il y a 50 000 faiseurs d'orage! Oui, bonjour, connaissez-vous Verdun? Regarde-moi ça, cette pluie de missiles! Ça n'a aucun sens! J'adore l'odeur du napalm le petit matin. Alors là, c'est pas que le matin. Là, t'as le matin, le deuxième petit déjeuner, le troisième petit déjeuner. À midi, il y en reste pour le 4h. Ah oui! Oh là là! Bon, ça va les gratouiller hein, de nouveau, mais. Mais oui, voilà. Bah, c'est ce qu'on fait. Cette vague de missiles, c'est n'importe j'adore. Quoi! Et il a l'amélioration de protection. C'est ça qui est délicieux. On va pas se mentir, ça a quand même absolument aucun sens ce qui se passe à cette partie. Tout à fait, mais n'est-ce pas ça qui est délicieux? C'est ce que je veux dire, c'est ça qui est bon. Oh, puis alors je peux te dire que les faiseurs d'orage ils pexent. Hein. Bon, allez, là je vais te rejoindre dans la géantitude. Ah, tu mets qui? Oh! Alors par contre, je mets tout le monde du même côté, hein, systématiquement. Bon, en fait, moi, je mets du monde du côté. En fait, j'ai l'impression que ça fait limite un 2 contre 1 contre ton adversaire. Et moi, du coup, j'ai qu'un flanc, je me fais rouler dessus. Oui. Et après, du coup, on arrive à... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, clairement. T'es en train de... Une sorte après de 2 contre 1 de l'autre sens. Ah d'accord, mais il a la même stratégie que moi de ton côté, en fait, en face. Oui. Ah oui. Bah, claque-lui des guêpes. Tu la vois, mais là. Il a des... Ah, il a des Mustangs. Bah, un petit impérial avec renforcement, soin ou un truc comme ça. Et il est mal, hein. C'est vrai. Ça prend le souffle d'acide. Ça a pris un impérial chez moi, je suis mort. Ah ouais? Ah bah... Ah, t'as rien pour le gérer? Ah bah non. J'ai pas d'anti-aérien. Je viens de m'en rendre compte. Merde. Non! Mon point faible! Il a trouvé mon point faible! Il a mis 2 impériaux, il en a marre. En fait, c'est marrant, elle a dit exactement. Parce que là, du coup, ça se passe encore exactement encore comme d'habitude. Ouais, mais c'est normal, hein. Toi, c'est vrai que t'as plusieurs unités chez moi. Oh, par contre, ton sniper, j'attends beaucoup de ton sniper. De là. Lui. Ouais, moi aussi, je crois en lui. Oh par non, contre, j'ai il y a déjà un qui est mort. Le deuxième est mort. Allez. Ok, bon, ils ont cette non, manche. Non, c'est plus sniper. Ouais. Ils vont nous faire mal, par contre. Hein. Ah non, ça va. Bah quand même, parce que la forteresse elle va rien faire. Ah si, tu vas pouvoir clean un petit peu. Ouais, si tu vas clean, si. Oh si monsieur, oh c'est beau ce que vous faites, oh j'aime ce que vous faites. Oui je vais clean un petit peu, il va nous mettre 800 points minimum quoi. Allez, un petit 1000 points il va nous mettre. C'est quoi 1000 points de nos jours? C'est rien avec oui, la c'est passion. Oui c'est rien du tout, t'as rien, tu fais même pas le plein d'essence avec 1000 points. Ouais non. Même pas un caddie de course. Allez, c'est une belle game. Oh, convoquer un cuirassé. Vous pensez à la même chose que moi? Oui, monsieur, je pense à la même chose que vous. Ah, il y a le purificateur quand même. Ah, je sais pas.
Mais j'ai presque envie de claquer un point de fusion me concernant. Ah ben. T'as pris le cuirassé ? Oui. Allez ! Et j'ai pris deux impériaux qui vont faire des guêpes. Allez. Parce qu'il y en avait marre. Oh ! Oh, j'ai un truc pour toi. Ah, c'est quoi ? Regarde. C'est où ? C'est quoi ? Cette petite ligne bleue chez ton adversaire. Oh ! Oh ! Oh, c'est trop de bonheur ça, monsieur, prévenez-moi à l'avance. Oh mais de rien, de rien, de rien, avec plaisir. Oh, ça va être sale. J'espère qu'il n'est pas prêt. Combien de temps il reste? 14 secondes. Ah moi, merde, j'ai fait le con. Pourquoi? J'ai pris un emprunt alors que je savais plus. Enfin bref. Enfin non, pas un emprunt, un truc pour prendre des unités supplémentaires, mais bref. Il a fait pareil, sauf qu'il s'est un peu raté, je crois. Oh le bordel! Ok, j'ai un point de fusion qui va... Oui, oui, non, allez! Oh, le héros qui a réussi à un point de vie! Ah oui, oh. C'est bon, oh, les impériaux! Oh, pile poil! Oh, les deux impériaux, l'un à la suite de l'autre! Incroyable, à un HP! Oh, mais ce héros de la nation! Ne regarde pas de mon côté, c'est très très sale hein, ce qui s'est passé. Ah merde, j'ai plus d'anti-aérien, moi. Alors ne t'inquiète pas. Oui, d'accord. Vous avez inversé le cours de cette game. 230 guêpes arrivent, c'est ce que j'allais dire. Bon, ça. Parce que moi, là, j'ai pu lutter. Hein. Bah, lui non plus, il a pu pouvoir lutter. Oh là là, mais quel game, quoi. Arrêtez-nous, hein. Arrêtez ce duo. Ah, les faiseurs d'orage, ça faisait le malin. Ça fait plus rien maintenant. Et en plus, le fumigène, il reste sur la map deux tours. Donc t'es tranquille pour le tour prochain aussi. Il y a plus tour prochain, je crois, en fait, par contre. Ah oui? Ah si, c'est quand même à 3550. Ouais, j'ai... Ouais, t'as 3 impériaux. Ça va faire mal, quoi. Et les guêpes, ouais, ça va quand même faire mal. On prend une belle petite avance. Ouais, oh, ça, ouais. Oh, le bombardement orbital. Oh, j'avoue, le bombardement orbital sur ces faiseurs d'orage là. Ouf. Je pense qu'on est pas mal là. Ouais, moi il me faut de l'anti-aérien impérativement. Voilà, on va partir là-dessus. Regarde, je t'appuie. Oublie pas de prendre l'emprunt. Ah oui, merci, j'avais oublié. Ah mais j'ai déjà trop tard. Comme ça, moi j'ai mis un petit impérial juste à côté de toi, avec des guêpes. Je me dis qu'il pourrait donner un coup de main si jamais. T'es juste sur le flanc gauche. Enfin, ton flanc droit et mon flanc gauche. Ouais, bah regarde, j'ai mis une forteresse au sol, comme ça... Ouh, il a fait double feu, il a fait double noyau de fusion là derrière, il est énervé. Ah oui. Ah ouais, protégé derrière des boucliers. Chaud, chaud. Oh le bordel. Oh ah, le bordel. Je ne comprends plus rien. Faudra attendre que la poussière retombe. Oh là là, c'est pas clair là. Non. Ça l'effectue.
Ouais, je dirais qu'avec les guêpes ça le fait. Bah chez moi c'est les noyaux de fusion qui sont en train de bien bien carry. Oh ah ouais non, par contre ça le fait, puis le point de fusion il m'a expliqué la vie sur mes impériaux. Ouais. Après ça devrait passer quand même. Bah écoute, chez moi c'est complètement ok, c'est passé. Et il me reste encore mes deux points de fusion. En fait j'ai perdu le flanc droit, mais il me reste le flanc gauche, il me reste une forteresse, un impérial. Et j'arrive, c'est beau ce qui se passe. Le sniper snipe. Le point de fusion fuse. Voilà, il reste un point de fusion et 2-3 faiseurs d'orage de la pampa et c'est tout. Mais voilà, il s'occupe un petit peu sur les rampeurs, allez, ça l'occupera. Est-ce que ça les tue ? Voilà. Ah, il y a ta forteresse qui vient de tomber malheureusement. Oui, c'est pas bien grave. Ah, quoique 400, 800 000 dessus, c'est bon, je pense qu'on les met les points là. Vous avez 1003, c'est ça ? 1007. Ouais, 1007. Ouais, je sais pas. Avec les guêpes et tout, on a quand même 3. Je sais pas. Ah, oh, oui. Oh, oui, oh, ça passe. Bien, ça passe. Tout juste. Évidemment, oui. On n'a jamais douté. Évidemment, jamais. Oh, cette petite série de victoires là, elle me met bien. Ouais, le petit 3-0 là, comme ça, c'est. Comment dire ? C'est assez plaisant. C'est pas mal, hein. Ouais, j'aime bien, ça me change. C'est pour te remettre de ta soirée Mechabellum, hein. C'est. Ouais, c'est ça. On a organisé contre, en fait, ça avec les viewers. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Là, par contre, en face, ça va être beaucoup plus énervé. Ah ! 831 et 700 des MMR. Ah oui, mais non, on peut pas retourner avec les noobs. Ouais, là en face, ils vont être un peu plus. Merci Satek pour les 30 mois. Homorophis, merci pour les 2 mois. Ragnok, merci pour les 20 mois. Orlaloi pour les 38 mois, tiers 2. Merci beaucoup. À Caralion aussi pour les 9 mois. Un petit peu de déco. On mise sur la déco adverse. Merci Raccourcix, c'était toi en face. Merci pour les 5 subs. C'était toi en face, non? Non, mais alors, après, on va dire que le jeu m'incite. Faire mais des j'ai encore une fois la spécialiste des géants. Ah, bah oui. Ah non, mais j'ai pas le choix. Je l'ai aussi. J'aime bien le spécialiste aérien, je dois dire. Il m'a bien réussi tout à l'heure. Ouais, j'avoue que s'il n'y avait pas le spécialiste des géants, j'aurais pris. En fait, l'augmentation de portée pour les unités aériennes, je trouve, si tu mets après d'autres augmentations de portée, ça devient fort, fort intéressant, quoi. Des crocs en face. Spécialiste Rhino. Tu te souviens de la game des enfers du gars qui avait fait 1 million de crocs en ligne? Oui. Full boosted avec tous les bonus possibles. Oui. C'était drôle, mais c'est infernal. C'est ça. J'ai essayé un plan, je suis pas sûr qu'il fonctionne, mais vu que du coup j'aurai que 4 phoenix au début, je vais mettre mes phoenix tout à gauche là, tu vois, à côté de toi, pour te donner un coup de main dès le début. Allez. T'es beaucoup à te déployer près de moi pour m'aider, hein. Je vois là le joueur rationnel. Bah non, mais parce qu'en fait je me dis comme ça, si je perds je peux dire que t'as carry, tout ça, et puis comme ça si jamais ça marche pas je peux dire que c'est parce que j'ai voulu t'aider. Bah oui, bien sûr. Mais en fait t'as raison, parce que c'est vrai que le centre, encore une fois, c'est le plus important, parce qu'il y a deux bâtiments côte à côte. Bah ouais, il y a deux bâtiments, c'est ça. C'est vrai que c'est super important, et moi comme un teuteux je me déploie à fond côté gauche depuis le début. Bah après oui, ça l'oblige à... Mais ça marche, ça les oblige à réagir. Regarde, ils ont fait exactement pareil en face. Ah ouais. Ils sont tous mis du côté... Ah oui, mais par contre son bâtiment du coup m'est offert, moi, de mon côté. Par contre il a complètement counter mon plan Mustang. Ouais. Ah ouais, complètement. Avec quoi? Mon plan phoenix avec en mettant tous ces crocs sur l'autre côté. Ah oui. J'ai mes balles d'acier qui... Ah voilà, ça y est. Ouais, du coup je me suis fait rouler dessus. En fait c'est marrant, du coup en fait ce qu'on fait en mode ça a l'air d'être un bon plan, a priori c'est peut-être la base sur cette map et tout le monde le fait. Oui, peut-être. C'est ce moment où tu dis, oh putain, on est des génies quand même, on fait ça, personne n'y a pensé. Puis après tu te rends compte que c'est ultra méta et que absolument tout le monde le fait. C'est ça.
Ok. Faut penser en dehors du bocal. La cuillère n'existe pas. C'est peut-être débile ce que je viens de faire. C'est peut-être bien débile, on va voir. J'ai mis l'amélioration de soins avec les balles d'acier, tu sais, quand elles absorbent les PV adverses. Ah oui, ouais, j'aime bien ça, moi. Je sais pas, je vais essayer de faire des balles d'acier, des trucs imbutables pour sa compo pour le moment, pour voir si elles arrivent à encaisser tous les projectiles de l'univers. Un test, écoutez. Et en même temps, j'ai mis le bouclier à une des trois là. C'est celui qu'on vient de looter, le bouclier portable. Ah oui. Moi, je garde sur ma forteresse. Je tournerai les parties sur Rhino. Après, il m'a déjà envoyé un. En fait, ça fait deux fois, il m'envoie des missiles du coup qui défoncent tout ce qu'ils sont censés tanker et du coup, les phoenix se font déboîter. Oh, il a mis l'amélioration sur ses Rhino pour qu'ils explosent quand ils meurent. Oh. Oui, ça a fait mal, hein. Ouf, il y a son sniper qui carry. Ah oui, mais là, je vais pas te mentir. J'ose pas te parler de ce qui se passe. N'en dites pas plus, cher allié. Mais j'ose pas te parler de ce qui s'est passé chez moi. Hein. Oh merde, je crois qu'on a trouvé nos maîtres. Hein. Non mais après, ils ont trop d'MMR. Oui, c'est ça. Faut qu'on revienne dans la mare au canard, là. Ça suffit. Directement on est tombé dans l'océan, ça suffit. Hein. Ah ouais, c'est un peu pousser mémé dans les orties, je trouve. Exactement. J'essaie de faire une forteresse qui va tanker quoi, avec un bouclier de ton côté. Oui mais non, ça sert à rien. Oh quoi? J'ai fait le con. J'ai pris des rampeurs en me disant je vais contrer ces rhinos, mais non, ça les tuera pas. Ah non. Après, tu peux l'attaquer sur le côté. Il a déjà deux rhinos. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de trois. Ah oui, d'accord. En fait, il faut ça, que je. Ça, lui, joue. Faut que je snipe ces rhinos avant qu'ils arrivent chez moi, en fait. Oh. Bah là, après, j'ai mis une forteresse. Donc, théoriquement, son rhino est censé aller vers ma forteresse. Bordel. Oh, il en met toujours plus. Ah oui. Après voilà, là ils sont morts les rhinos. Ouah, l'explosion des rhinos, mais quel enfer! Bon par contre je sais complètement ce que je dois faire. Là je vais partir sur 1 million de guêpes et des phénix. Bon alors pour chez moi, je dirais que l'important, on a un français très célèbre qui dit l'important c'est de participer. Et je vais participer à cette partie. Tu as fait acte ? J'ai fait acte. Parfait. Bah écoute j'ai fait acte aussi. Voilà alors par contre ferme les yeux et ne regarde surtout pas ce qui arrive chez toi. Ne regarde pas. Les mustangs qui peuvent se faire tuer par des vulcains, on est d'accord. Hein? Les mustangs, on peut les contrer avec beaucoup de vulcains. Alors le vulcain avec l'amélioration de portée, c'est incroyable contre les mustangs. Ouais, c'est ça, on est d'accord. J'essaie de trouver quelque chose. Hein. Pareil. Complètement pareil. Je claquerais bien ça, mais... De toute façon, sache que si on perd, c'est parce qu'ils ont streamac. Exactement, mais je n'aurais pas mieux dit. Est-ce que tu veux pas que je balance un énorme missile sur tout le pack adverse? Tu peux faire ça? T'as pris quoi? Ah oui, là, ça! Un bord de mort vital comme ça, c'est pas mal, non? J'avoue. Ça peut être pas mal.
Là maintenant, ça suffit, monsieur. Ok. Oh la vache, mais toujours plus. Ah oui, toujours plus. On s'arrête pas, monsieur. What the... Oh la vache. Rhino explosif, c'est chaud à contrer. Hein. Bah, au moins le Vulcain, là il vulcanise par contre. Les vulcanise. Beaucoup moins les malins. Ah bah, ouais, ah, là c'est régalable. Bah écoute, moi je pense qu'il est en train de développer une allergie aux guêpes. Ah, j'ai un essaim, mon gars. Ah, et pour la première fois, écoute, ma forteresse a survécu, on la gagne. Oh, le Vulcain, mais tout ce qu'il a tué. Oh oui, mais je te dis, Vulcain, mais il a supporté, c'est fou. Il a fait 49 morts, le Vulcain. Ah, tu vois où le nombre de morts? En bas à droite de l'unité. Oh, t'as le prix de recrutement de la GAP gratuite? Ouais, mais l'attaque est réduite et les PV sont réduits. Ah oui, oui. Non, je sais ce que je dois prendre, moi. Quelque chose qui me permettra de désactiver les technos. Mmh. Et en fait, comme ça, ces trucs, ils exploseront plus. Ce sera fini. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. En fait, c'est tout con, c'est ça que je devais faire. Tain, moi, j'ai peur. J'ai vraiment peur qu'il tente de contrer le Vulcain. On va mettre une forteresse à côté de type protection. Qu'est-ce qui neutralise les technologies? Je crois que j'ai ça sur les snipers. Tir électromagnétique, c'est ça. En fait, quand tu cliques sur une unité, tu vois son nombre total de victimes tout en bas à droite. Tu sais, genre par exemple Vulcain 2, t'as ses bonus et tout. Et t'as dégâts totaux, dommages de la manche, nombre total de victimes, etc. etc. Et c'est parti. Ok, on va voir ce que ça donne. Ah merde, mais avec son bouclier à la con, ça va pas fonctionner. Ah si, si. Ah non, il a pété quand même. Comment ça? C'est bon. Hein? Oh mais ce Vulcain, ça marche. De quoi? Je comprends pas, ils explosent quand même, c'est... Ou alors non, c'est juste l'explosion normale en fait. Ou peut-être. Non si, parce que mes balles d'acier ont survécu. Non si, je crois que c'est bon. Oh mais ce Vulcain avec le petit bouclier portable, déjà 81 victimes en deux manches. Ah il me régale. Ah oui, en bas à gauche. Ah oh, ça y est, il y a mes balles d'acier qui commencent à faire le taf. Et c'est les victimes totales ou sur la manche? Non, c'est victime totale. Nice. Bon, par contre, on va pas se mentir, là on va prendre des gros trucs faits, des gros... Enfin moi je vais prendre des gros counters de Vulcain à mon avis. Boum. Ouais, mais là t'es pas mal hein. Ah oui. Bon, c'est le moment d'avoir une idée de génie. C'est le moment d'avoir une idée de génie. J'ai. Alors, il va me faire normalement des trucs qui counter. Je peux faire des crocs. Avec un bonus de résistance. Mmh.
Elle a aussi des forteresses, aussi full Rhino, intéressant. Ouais, ça y est, il a fait les points de fusion chez moi pour me counter. Écoute, chez moi, la cavalerie aérienne arrive. Les guêpes occupent le terrain, les phénix arrivent derrière, ça passe bien. Moi ça passera pas, mais par contre j'ai géré toute sa vague de Mustang. Par contre j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai exactement ce qu'il faut pour contrer à la fois ses faiseurs d'orage et son point de fusion. Parfait. Ah oui, vu ce qui arrive, oui, je... Soyez rassuré, monsieur. Il y a juste son petit bouclier là qui est encore en kiki, non mais tu vas le détruire vite fait, ouais c'est bon ça va le faire. Point de fusion, il va vite dire allez bonne nuit. Ah, il a encore des snipers, mais heureusement j'ai une bonne portée pour mes phénix là. Mais ça se passe. Mais oui. Oh la remontada. Bon, par contre, qu'est-ce qu'on ferait pas pour le show quand même? Non, mais tu peux malheureusement. Oh. Oh. Ah. Un petit truc. Oh, la puissance d'attaque augmentée de 220. Je sais pas à quel point les rhinos qui explosent, c'est violent. Est-ce que j'oserais poser une forteresse devant ça? Je peux pas te dire. En tout cas, je vais mettre un vulcain pour t'aider. Bon allez, je le prends, il faut que je me décide vite. Allez, putain, le chat, casse-toi. Ok, je mets des crocs pour tanker. J'ai mis tous les crocs du monde pour tanker les points de fusion. Ah non, non, non. S'il n'y a pas deux hackers en face, on est bien, je pense. Hey, full forteresse avec les missiles et tout, machin. Oh, y a pas beaucoup. Ouais, mais il y a trop en fait. Chez moi, ça passe. Oh, avec les missiles et tout. En fait, les salves de missiles avec les forteresses, elles ont un cooldown trop long. Ouais. Mon DPS va un peu trop vite du coup. Et les rhinos en fait, ils s'explosent en série. Là, je viens de voir un rhino exploser le deuxième et du coup, la catastrophe. Oui. En fait, vu que c'est des dégâts à tout le monde, pas qu'on était adverse, là, j'ai vu son premier rhino exploser le deuxième. Son deuxième rhino. Ah bon? Ouais. Et donc, perdu quoi. Et ouais, donc perdu. Par contre, je me suis fait déboîter. Ah, mais Sniper avec les technologies, il peut plus utiliser ses lance-missiles sur ses forteresses, chais! Mais oui! Oh, moi, il m'a roulé dessus, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah ouais. Merde. Oh, ah oui! Ah. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Bah justement, je peux pas te dire. J'ai peur qu'on prenne les 2400 d'un coup. Oulala, il reste beaucoup là. Oulala, oui, il reste beaucoup là. Oh, et le bâtiment qui tombe en plus. Non, pas comme ça, notre live 10! Attends. Ah, je crois qu'on prend les 2004. Ouais. Ah non, la série de victoire, non. Non. La série de victoire. Non. Ils ont remonté la remontada, tel des saumons. Ah, terrible. On n'a pas dit que c'était pas celle qui comptait pas. Si, ah, c'est celle-là. Non, mais j'avais pas bien compris. Il y a une par soirée qui compte pas, je crois. J'ai bien compris. C'est celle-là, effectivement. Oui, bah tant mieux. Alors ça me rassure. Ah, quelle tristesse. Qu'est-ce qu'il a fait pour te mettre dans la merde comme ça tout à la fin? A priori, on m'a dit c'était Sniper et la full Sniper qui ont déboîté mes boucliers. Tes boucliers? Ouais, alors attends, il a blindé de boucliers, il y avait blindé de boucliers.
Je cherche, hein. J'essaie d'avoir les informations. Vas-y, vas-y. Alors, le double rhino a tué ton aile gauche. Parce que du coup, en explosant en série, ils ont tout défoncé. Puis après, t'as full sniper adverse qui ont rincé tes shields. Il avait blindé de boucliers également. D'accord. Ok. Voilà. Bon, bah, je traduis. Putain, la salle trouvée instantanément. Quand j'ai cliqué sur le bouton mettre en paire, pouf, ça a ouvert le truc direct. 700 et 700. 700 et encore une fois, des gens meilleurs que nous, c'est terrible ça. Les gens sont devenus trop forts ce jeu. Hein. Ça passe. Hein. Ouais. Vivement Starfield, que les gens passent à autre chose. Tu vas y jouer toi à Starfield ? Ah oui, moi je l'attends à fond. Ouais, à fond, ouais. C'est du coup vendredi, 2h du matin, tu ah es là. Oui, il va absorber mon âme direct. Non, j'attends vendredi soir quand même. Tu vas y jouer toi ? J'ai mon problème, c'est que j'ai pas fini Baldur's Gate 3, mais j'ai trop envie de jouer à Starfield, mais j'ai trop envie de finir Baldur's Gate 3. J'ai trop envie de jouer à Starfield, et du coup je suis perdu. Et Armored Core ? Et là, Armored Core, ça va attendre un peu, je crois. Moi j'aime bien le jeu, mais le jeu m'aime pas. C'est exact. Bah alors c'est marrant, c'est exactement ce que j'aurais dit. C'est pas moi qui ai un problème avec le jeu, c'est le jeu qui a un problème avec moi. Non, j'aime beaucoup Armored Core, mais là Starfield va clairement passer devant. Clairement. Et Baldur's Gate, moi je me suis pas vraiment lancé dedans exprès en sachant que ce serait possible. Oui. Et puis bon, il y avait quand même Total War Warhammer qui m'occupait. Hein. Oui, c'est vrai que t'avais le DLC. Exact. Même si j'ai pas énormément streamé dessus finalement. Ah ouais ? Oui, mais bah, après il y avait le contenu YouTube. Oui. Hein ? Non, je sais pas regarder si t'as fait du contenu YouTube dessus. Il y avait des rediffs de live. Ouais, très bien, mais il y a du contenu YouTube. Ouais, c'est du contenu YouTube. Non, mais écoute, il y avait beaucoup de jeux qui se présentaient, beaucoup de soirées possibles en coop entre Mechabellum, des petites soirées Baldur's Gate, des petites soirées gauche à droite. Écoute. Voilà, je me suis laissé porter. Tu as bien fait. Par la fièvre du multigaming. Et avec beaucoup de plaisir, je ne vais pas le cacher. Oh, c'est pas clair cette première manche. Comme souvent. Ah, moi c'est clair que j'ai fait une erreur et qui m'a très bien counter mes Phoenix avec ses snipers qu'il n'avait pas et qu'il a acheté, et j'ai fait l'innocent. J'étais beaucoup trop innocent. Ouais, bah moi je me fais avoir aussi. Pas de beaucoup, mais de toute façon je perdais quoi qu'il arrive. Mais Armored Core, le gameplay, je l'ai trouvé quand même particulièrement délicieux. Ah oui, non, oui. Oui, le gameplay extrêmement, extrêmement agréable. Vous ne me verrez pas dire le contraire. Bon, là, je fais un truc pour, histoire de pouvoir annoncer. Écoutez, je prends cette game. Et maintenant, vous allez me laisser tranquille. Voilà, cette game est à moi. Cette manche est pour moi. J'en ai marre, trop c'est trop. Exact. Pas énormément de snipers sur la map, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Mais je fais comme vous, monsieur Mott. Comment ça, qu'est-ce qu'il fout là ? Mais moi, j'attends le tour 3, pas le tour 2. Mais enfin, avec un emprunt, il y a beaucoup de choses possibles. Écoutez, c'est une petite start-up qui a besoin d'un financement rapide afin de s'élever efficacement dans les hautes strates. Pourquoi perdrais-je du temps ? Pourquoi perdrais-je du temps à rester avec la plèbe au sol alors qu'on peut faire venir un impérial tout de suite ? Avec un bon placement financier, voyons. Ouh, ça a pas l'air d'être évident chez toi. Mais en fait, si les Phoenix veulent bien viser le sniper. Ah oui. On the con. Pardon.
Je lui ai mis le kit de réparation en plus. Mais bien sûr. Bah cela dit, si c'est deux snipers avec le bâtiment. Ah, le kit de réparation qui carry peut-être. Allez. Ouais non, c'est pas du tout assez carré. Ah, le nerf qui s'arrête. Bah écoute, je prends la manche chez moi, mais voilà. Mais le problème, encore une fois, le problème c'est le coéquipier quoi. C'est les Français, ils assurent pas. Hein. L'anti-aérien chez lui. Mais il a tellement d'anti-aérien chez lui en fait. Ouais. Autant moi en face, il en a presque pas. Autant chez toi, la vache. Alors. Afin de fêter dignement cette arrivée. Bon, ok, je vais être sage ce tour-ci. Ah bon, mais voilà. Quoi? Oui, c'est ça, je comprends ce que tu voulais dire. Mais moi, j'attends le tour 3. Bah oui, j'attends le tour 3, monsieur. Paf, le Vulcain, allez. Vulcain T3, c'est suffisant pour le bonheur. Mais chercher un contre, là, c'est assez robot à tous ces trucs, ouais, j'en ai marre. Je par contre, avec les snipers, ça va être dur. Bah au moins, il détruit tout ce qu'il y a derrière. Et au moins, les phoenix ont leur full AP, les phoenix, ils peuvent phoenixer. Ils peuvent phoenixer. Ils sont pas un peu trop jeunes pour phoenixer comme ça? Tu sais, maintenant, hein, les jeunes sont de plus en plus jeunes, plus en plus tôt. Ça phoenix direct. Ça phoenix direct. Bon, bah du coup, le Vulcain, je suis content. Il a bien tanké le sniper. Et du coup, c'est bien, ça passe chez moi. Bon, on rappelle hein, pour le chat, phoenixez tant que vous voulez, mais sortez couvert. Hein. Exactement. C'est important quand même. Hein. Et ça passe. Ah là, par contre, ça gratte fort. Bah, hein. Voilà, ah oui. Entre toi et moi, là, on n'a pas rigolé. Ah, on a planté les ongles. Petite double réparation pour le truc là. Oh, j'ai même pas de quoi. J'ai fait tellement d'améliorations, j'ai plus de sous. Je connais ça. Rien ajouté. Terrible. Si je cochais rien pour les 29 mois. Geekosaur, merci pour les 21 mois. Et Marbrand, merci pour les 23 mois. Merci. On a un petit missile, on va voir. Elle a dit... Oh, en face aussi sa forteresse par contre. Ah, sa pointe fusionne chez moi. Mais par contre, elle va se faire ouvrir par mes missiles. Après, il a mis un bouclier. Bah, les boucliers, ça se fait. Ah, il l'a mis. Non, il l'a mis chez moi. Regarde où il l'a mis là. Ah oui. Bah, pourquoi il la met là? Ah, d'accord. Ah, mais regarde, oh là là, les deux. Oh là là. Ils utilisent notre technique. Coucou. Bah, en fait, j'ai mis l'amélioration de portée pour les faiseurs d'orage, donc. Mais ils ont raison, parce que le point de fusion va être protégé par le, Par le bouclier de la forteresse à terme, bien sûr, parce qu'après il va être le bouclier et puis bim bam boum. Par contre, c'est ce qu'on peut faire vraiment pour les emmerder avec ça? Non. C'est qu'on met deux petites unités qui coûtent pas cher de part et d'autre juste devant pour les obliger à se séparer. Après, je sais pas si ça nous donnerait vraiment un avantage particulièrement conséquent. Oh, je l'annihile avec mes trucs. Mais le Vulcain, encore une fois, c'est incroyable. Hein. Oui, les Vulcains, quand ça tape bien, franchement. Ah ouais. Là, tu vois le Vulcain à 89 kills en deux parties, c'est fou. Hein. Ah, ouf. Il m'a fait peur, le point de fusion, là. Ouais, bon, malheureusement, j'ai perdu. 4 snipers. Ah ouais. Il reste 4 snipers. Je touche pas beaucoup sa forteresse avec mes faiseurs d'orage, c'est un peu ça le. Ouais. Ah voilà, mais quand ça touche, ça pique. Bon, là maintenant, faut espérer. Oh, mais ça tank. Hein. Ah bah tank. Oui. Ah bah, c'est avec la régène, oui. Aïe aïe aïe. Double régène, hein, j'ai mis la double. Voilà. Oh, c'est beau.
J'aime. Bah tu nettoies bien de son côté, du coup ça passe. Hein. Non mais est-ce qu'on est d'accord que là, c'est pas le moment donné de notre vie respective où, on met des, où je mets un pirate en face? En vrai, pirate en face du point de fusion, surtout qu'il est, il est pas protégé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je mets un petit croc devant histoire de... Un petit croc. Pour protéger quand même le pirate. Écoute, moi je vais partir sur... On augmente la portée. Je vais partir sur une petite wag. Regarde, je mets les rampeurs qui vont occuper le terrain. Regarde, donc ton hacker, il sera protégé par les rampeurs qui vont avancer. Ouais, et par les petits crocs. En vrai, ça peut marcher, non? Ah, complètement. J'ai augmenté la portée du pirate, hein, pour qu'il ait plus de chances de pirater. Ok. S'il arrive à pirater... Il a pas mis le bouclier. C'était le seul truc qui pouvait le protéger du pirate. Là par contre ça va prendre un certain temps. Ouais ça prend trop de temps malheureusement. Ah oui mais mes trucs se sont fait détruire. Aïe. Non il y a des améliorations pour aller plus vite. Ou alors il faudrait qu'ils prennent du DPS un peu quand même. Ouais on a mis 0 DPS. On a essayé. Oui. Bon par contre de l'autre côté le vulcain a vulcanifié. Ah parfait. Oh non le point de fusion va point de fusionifier. Aïe. Aïe, mais t'inquiète pas, les phénix, ils ont phénix ça ensemble et du coup, il y a des petits bébés phénix avec, comme ils ont l'astrassemblage quantique. Allez. Mais voilà, c'est ça qui manquait hein, à la marmotte compagnie. Oh. Aïe. Oh merde. Non, ouais, trop résistant. T'avais pas lancé un programme de soutien au phénixage? Si, mais le programme, il faut un temps avant que les bébés phénix, ils arrivent. Aïe, là... Ah, les allocations familiales, Marmotte, il faut ça, hein, faut encourager. Terrible, hein. Terrible. Oh. Je vois ce que vous faites. Les pirates, ils peuvent être à plusieurs sur un. Il me semble que oui. Il me semble que oui. Jusqu'au bout, hein. Oula. Ah oui, non, j'ai pas encore pris le truc. De mon côté, j'essaye. Oh, le bouclier sur les phénix, sur les trucs, c'est bien ça. Ah ouais. On en est là maintenant, hein, foutu pour foutu. Oui, non, on est bien au point là, regarde. Ah oui, c'est vrai qu'on est bien au point. Mais oui. Ah là cette par contre ça met du bouclier. Cette game n'a aucun sens, je tiens à le préciser. Oh, le double point de fusion en face. Aïe, là je sais pas comment je le gère. Oh le javelot. Non, laisse mon impérial tranquille. Ah, j'ai réussi à lui voler un point de fusion. Yes. T'as réussi à lui voler un point de fusion? Avec un pirate, j'ai mis un pirate à gauche. Oh, c'est bon. Oh, c'était géré grâce au pirate qui a volé le point de fusion adverse. Ah. Et du coup, le vulcain a survécu. Mais il a explosé le point de fusion? Bah non, je l'ai volé avec le pirate. Mais il est où? Du coup, il est venu à moi. Et il est mort après, par contre, du coup. Ah, il est mort après. Oh, bah écoute, ça passe chez moi aussi. Bah écoute,
En fait, j'ai mis deux unités de rampeurs sur le côté, là où il n'y avait pas grand monde, parce qu'il avait un flanc un peu faible. Et donc, ils se sont faufilés, ils sont allés détruire le bâtiment. Et ça m'a donné un gros avantage dès le début. Bah voilà. Bah voilà, aucun problème, bah, monsieur. Quel souci ? Mais pardon, absolument rien, finalement. Aucun problème, hein, franchement. Pas de souci, hein. C'est la soirée, on gonfle notre MMR. Ah, c'est clair. Je suis à presque à 700, je suis à 678, je suis content, ça monte. Écoute, je suis juste derrière. Oui, forcément, du coup, oui. Donc, combien ? On a notre petite game qui compte pas, qui a été faite, donc tout va bien, là. La game qui compte pas, je vois pas trop de quoi tu parles. Ah oui, non, c'est vrai, on l'a pas encore faite, pardon. Bah non, mais je confonds les fois. Nous nous battons contre un exosquelette et une tomate. J'ai un de mes fils qui serait absolument terrifié. Oh. Bon, il les déteste les tomates ? Ah oui, l'exosquelette, il l'affronte tous les jours. Mais par contre, tu lui mets une tomate devant, c'est terminé. Il fait... c'est fini. Plutôt mourir ! Alors, j'ai le choix entre spécialiste... Non, je déconne, il y a spécialiste des géants, merci beaucoup. Il a fait semblant pour le... L'entertainment. Exact. Alors, nous jouons contre quoi ? Je fais un match mirror. Ah non, j'ai des rampeurs, il a des crocs. Il a aussi des phénix par contre. Oula, Mustang rampeur en face de moi. Alors, on va partir immédiatement sur de petits arcs lumière. C'est marrant, c'est exactement aussi des arcs de lumière que j'ai fait. Je mets deux snipers pour protéger nos bâtiments. Gentil. Merci, monsieur. Merci, Dark Mathieu, pour les 20 mois. Alors non, s'il y en a qui se posent la question dans le chat, malgré le fait qu'on est en coop, on n'a pas le droit de poser des unités sur le terrain de notre allié. Non. Mais on peut le mettre à côté comme on a fait là. Par contre, regarde comme en face, comme ils sont tous déployés. Effectivement, ils sont tous mis sur le flanc... Ouais. Comme nous. Gros centre. Ouais. Ouais, à voir. Merci les digitales dans le dé pour les 25 mois. Et il y a déjà un, c'est toujours une raison que j'ai mis un missile en face. Oui. Ça m'emmerde un peu d'ailleurs parce que je crois que c'est mon sniper qui va se le prendre. Ouais, c'est mon sniper, il va même toucher... Oh là là, son missile, il vient de m'annihiler. Ouais. Ouais, du coup, ces snipers ont le champ libre. Ça va pas passer pour moi, monsieur Barbot. Je vous laisse. Marchez sans moi. J'ai bien peur que moi non plus, ça ne passe pas. Eh non, ces phoenix sont on focus, mes trucs, ouais. Ok. Oh là, par contre, ils grattent tout de suite, hein. Ils ont pas le temps, hein. Ah, c'est les tomates, il avait raison. Depuis le début, il te l'a dit, tu ne l'as jamais écouté. Spécialiste déploiement, allez, salut. Petite forteresse. Tu vas vraiment la sortir maintenant ? Non, pas tout de suite. On est civilisé ici, monsieur. Exactement. Par contre, j'ai mis un missile là, parce que je pense qu'il y a moyen de détruire une grosse partie de leur armée, là, entre les rampeurs et les crocs. Bah écoute, moi, je vais en positionner un juste derrière, là. Comme ça, s'ils arrivent quand même à avancer vers nos bâtiments, boum. Ouais. Elles sont aussi vite des missiles, j'ai jamais vu autant de missiles dans une partie. Ouais, j'avoue. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'ils ont l'amélioration ? Non, ils ont pas l'amélioration anti-missile sur les Mustangs chez moi. Voilà, boum. Déjà, ton missile, il est parti, il a fait mal. Ouais. Ah, et en fait, il parle full phoenix. Ok, il part full phoenix en face. On va devoir utiliser la technique... la fameuse. Ah.
Full Mustang. La fameuse forteresse. Full forteresse gros missile. Ah oui, oui. Ouais, si t'as spécialiste machin. Moi j'ai pas grand chose pour faire cette clinique. Aïe aïe aïe. Ouais, t'as un missile encore quand même et un sniper. Non, non, mais ça va le faire, je crois. Le bâtiment va me mettre bien. Et surtout que là, le sniper il arrive derrière les autres unités. Oh là, par contre, faut que ça tombe. Hein. Oui. Voilà. J'aimerais bien garder le phoenix. Garder le missile. Bah oui, parce qu'il resterait pour le prochain. Voilà. Je pense que tu vas la garder bon. Là avec le sniper qui. Ouais, là ça va le faire. Là ça va le faire complètement. Sniper va achever le dernier. Nice. Voilà. C'était beau. C'était bien. Munitions chargées, c'est bon aussi ça. Hein. Parce qu'en fait là j'ai pile poil ce qu'il faut en termes d'argent avec le build là. À force de jouer pareil, je le sais par cœur, pour T3, faire forteresse plus barrage anti-aérien. Ah mais voilà. Je vais emmerder un peu ces snipers. Ok. Bon, on devrait être pas mal là. Ah oui, tu l'emmerdes bien. C'est un fumigène que t'as mis? Ouais. Ouais, ça, tu vas bien les emmerder. C'est pour que ces snipers puissent pas m'embêter. Ouais. Ah, il y a un rhino. Missile, c'est propre. Ah. Oh, oh oui. Deux rhinos. Très savent. Deux rhinos. Ouais, il y a deux rhinos en face. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, et les rhinos, ça tombe pas avec un seul sniper, hein, malheureusement. Bon, il a été détruit par le missile, mais... C'est compliqué, là. Oh, par contre, il y avait un truc de flanc, mais rampeurs s'en sont occupés. Eh ben, écoute, la forteresse, ça a pas permis de gagner, mais a bien fait le taf. Ok. Après, c'est normal, c'est la première... Oui, et puis je prends un missile. Aïe. Il te reste des choses, toi ou... Anti-aérien, non. De toute façon, il va gagner, mais je vais défendre un peu. Ouais. Mais... Il te reste que les rampeurs, quoi. Ouais. Après, t'as eu le sniper, c'est bien. Je crée des rampeurs supplémentaires, et vu que lui, il a pas... On sait jamais quand ils arrivent au corps à corps. Là, ça en génère de nouveau, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ça en génère de nouveau. Regarde ça. Quel enfer. Ah oui, l'arc lumière par contre, allez, salut. L'arc lumière, ouais, ça va le... Au moins, par contre, t'as bien limité la casse. Ouais. Ouais, c'est pas si mal. Oh, le petit bombardement orbital. Oh, le prix de recrutement des tireurs réduit de 50. Bon, bah, le... Ah oui, c'est que 100, ça, c'est vrai que c'est pas si cher. Ah ouais d'accord, carrément il y a un rhino là-bas. Je fais bombardement orbital sur la grosse masse que t'as vue. Ouais. Ah oui, ah oui, ouais, oui, je dis oui. Je dis oui. Je pense que double forteresse, ça a failli passer le sniper là. J'espère juste qu'il n'aura pas encore le temps de faire de points de fusion. On va voir. Écoute, moi je vais essayer de... Oh, il a fait la même de mon côté. Montrer ses trucs. Aïe, 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 revêtement de photon, fait chier.
J'essaye de contrer ces rhinos parce que là, il essaye de me déborder fort, fort par le flanc. Chez l'adversaire, ça y est, il est passé en mode full phoenix qui phoenix. Ah, ça y est. Ouais. Ça va phoenixer sec. Ah, ça va très, très fort. Oh. Ah, chez moi, ils ont. C'est la fête au rhino. Hein. C'est l'autorhino. Ah ouais. Avec les forteresses, ça devrait passer. Il y a assez d'antimissiles. Si j'arrive à l'avoir à temps. Chez moi, il va foutre le. Oui, c'est bon. Il va foutre les rhinos explosifs. Je vais voir flou. Hein. Oh, trop de phénix. Deux bâtiments qui tombent en plus. Trop de phénix. Sors des Mustangs. Hein. Ouais, ouais. Le problème des Mustangs, c'est qu'il y a tous les arcs lumière et tous les trucs avant pour y arriver. Bah, tu mets l'amélioration de portée. Ouais. Et tu les mets bien en arrière, comme ça ils arrivent pas trop tôt et ils se font pas déboîter. Ils arrivent pas trop tôt, ouais, t'as raison. Il me reste un malheureux sniper, on sait jamais. Ils ont le phénixage, ouais. Bah, par contre, ils ont déjà beaucoup, beaucoup phénixé. Ils ont beaucoup. Oh, mais ça phénix trop vite là, regarde-moi ça, c'est des lapins. Par contre, ça fait bien flex ton sniper. Qu'est-ce qu'il reste? Des rampeurs. Ah d'accord. Aïe aïe aïe, il faut contrer ces phénix, monsieur Mott. Oh oui. J'avais l'air déjà mes unités, monsieur. Allez-y. Ah mais j'avais leurs unités, j'ai plus de sous. Ah bah oui, ça va vite. Non, donc plein de Mustangs. J'ai peur de ces rhinos. Hein. Je crois que je vais bourrer les snipers. Oh oui, la désactivation des technologies. Ça fait pas mal ça. Je tente. Voilà, j'ai doublé l'armure du géant, j'ai tout le monde est passé niveau 2. Je pense que si on doit perdre, c'est le dernier tour où on peut perdre. Mais après, en face, que ce soit chez toi ou chez moi, ils axent leur stratégie vraiment sur un truc en particulier. Ouais, ouais, quoi. Ouais. Donc dès que le contre est trouvé, ils vont galérer de ouf. Allez, ça continue chez les rhinos. Bah, déjà, au moins, moi, pour la première fois, je prends pas de missiles, de trucs comme ça, de... Ouais, mais le full rhino, je crois qu'on me l'avait jamais fait celui-là. À ce point-là, j'ai du mal de trouver ce qui contre les rhinos en fait, parce que là ils sont trop nombreux. Bon, en fait, tout ce qu'ils veulent, ils peuvent rien faire. Ah, du phénix peut-être. Ouais. Connais bien le phénix par chez nous. Oh, il m'a explosé. Galère voilà. Encore. Non, pas ça. Là, ça va à peu près. Ouais, mais là maintenant que les boucliers sont tombés, non, ça fait trop mal, hein, les phénix. J'ai juste pas cette forteresse, c'est tout. Oh, tout ce qui arrive. Mais oui, c'est Rhino m'explose, il fait que ah ça. Ah oui, c'est pas à toi. Il fait que ça, les Rhino m'explose, j'arrive pas à les contrer. Ouais, je les trichote avec les forteresses. Ah, j'arrive pas à les gérer, les Rhino. Ah bah écoute, voilà. Ce bah, sera écoute, pour la... je sais pas comment les gérer. Prochaine partie. Mais oui. Ouais, merci Driver, les forteresses sont détruisées en 3 coups, mais c'est tout.
Ah, je me suis bien fait annihiler là. Écoute, je vais pas faire le malin parce que de mon côté c'était la même. En fait, et on pourtant, est ils sont fort, juste bourrés. Ouais, comme des un truc. Ouais, là c'était la faille, la faille dans mes connaissances. Le spam Rhino, je sais pas trop comment le gérer. En fait, le mieux dans les cas là, c'est dans les jeux comme ça, quand tu te prends un spam, tu sais pas comment le gérer. Et ben en fait, après toi tu le spams toi et tu vois comment les adversaires contre. Ah, bien vu ça. Genre là, je me suis fait spam Phoenix, ça a pas marché avec tout, donc je prends spécialiste aérien. Et ben moi je veux te dire que spécialiste Rhino. Et tous les full Phoenix qui vont arriver derrière, on va voir comment les adversaires contre. Et en fait, comme ça, bah t'apprends comment on contre. C'est pas faux ça. Eh bien, c'est parti pour le spam Rhino. No. Il a quoi en face? Ça, ok. Alors, tiens, dans mon chat qui backseat, on dit en fait si le contre le plus évident aux rhinos, ce sont les pirates, parce qu'à priori, les pirates récupèrent très vite les rhinos. Ouais, info chat. Après peut-être un faux chat. Non mais c'est pas ça, mais le contre, il faut aussi que ça s'intègre à l'intérieur de ta compo quoi, faut voir. Ah bah oui. Ça dépend. C'est bon, hein, si je suivais le chat à chaque fois qu'ils me disent « Non, prends pas ça, si, prends ça !» et que je suis pas leur truc et qu'au final ça marche bien parce que c'est parce que, voilà. Parce que le placement et le combo donnent parfois de meilleurs résultats. Je préfère tester par moi-même. Oui, il faut. C'est plus marrant. Puis comme ça, après, ça permet de ban les gens en disant « Voilà, je vous avais dit que c'est pas ça, encore une info de chat !» Alors que si tu les écoutes et qu'ils ont raison, t'es quand même un peu déçu. C'est ça. Oh, c'est à toi ces petites balles d'acier, là? Ah ouais, je me suis dit qu'elles seraient bien chez toi. Elles sont bien saillantes. Je sais pas si ça va passer chez moi parce qu'il y a un sniper qui me... Ah! Oh, tes balles d'acier qui dégomment les deux bâtiments coup sur coup. Je me suis fait avoir. Mais... t'as des phoenix, soit c'est les tiens. Oui. Oui. Ah, après ils ont... ouf, Mustang plus sniper, aïe. Bof. Je crois que je vais me faire, ouais. Merci Cyrac pour les 31 mois. Après, tu restes bien quand même. Ouais. Ok. Je vais essayer de partir sur une belle petite compo un peu équilibrée et puis après je fais plus que des rhinos. Ça me va. Merci Tonton Plouf pour les 34 mois tiers 3. Merci beaucoup. Et la musique qui va plus très fort d'un coup. En face, ça parle full sniper par contre. Ah ouais, je vois ça. Oh, un missile. Faiseur d'orage, ça marche vachement bien contre les snipers. Ouais, c'est marrant, ils ont mis 3 missiles. Ah. 3 missiles, c'est beaucoup ça. Ils nous aiment pas beaucoup, je trouve. Après, c'est 150 balles quoi.
Ouais, c'est ça. Faut que ce soit rentable. Il est parti sur Faiseur d'Orage aussi en face de moi. Ah, c'est marrant. Il y a un petit côté de la guerre des étoiles. Ouais. Ouf. Ah oui, tu t'es fait... Tu as disparu du plan de l'existence. Ouais. Ouais. En fait, je pense que je vais pas du tout pouvoir partir sur Phoenix parce que je crois que le contre à Phoenix, c'est full Mustang et full Sniper. Oui, tu crois. Attends. Tu as dit que tu allais faire un full Phoenix et en face, ça sort full Mustang, full Sniper. Là, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je crois voir où tu veux en venir. Je crois savoir qu'éventuellement... Éventuellement... J'ai une petite idée de ce que tu penses. Ok. Maintenant, ça suffit. Trop, c'est trop. Bon, on va voir. Hein. J'ai quoi en anti-aérien, moi? Pas grand-chose. Faudrait que je fasse gaffe à ça. Allez, les petits rhinos. Faudrait que je protège devant, par contre. Faudrait que je mette un peu de masse grouillante devant eux. Oui, plein de masses grouillantes. Oh! Oh la double! Oh la double! Comment ça? Vous voulez pas, Merino? 100% Streamax, ça? Non? Bah, il se pourrait que on prenne les deux counters avec les missiles au moment où on le dit. On peut se poser des questions. Allez le rhino, allez le rhino! Oh là là, le rhino! Un rhino, vas-y, défonce tout. Il se soigne au fur et à mesure qu'il fait du dégât. Oh, ça passe! On a gagné? Oui. Ah bon? Tant mieux. Le rhino. Mais voilà, et là maintenant, on part sur... Le rhino, l'assaut, évidemment. Voilà. Ah oui, par contre, l'anti-aérien, c'est pas clair. J'ai oublié l'anti-aérien. J'ai omis les œufs de caille. Mais non. Bah nous aussi on a mis des missiles si c'est comme ça. Ah, ça part sur un mur de missiles. Il y a une sacrée armée en face de moi. Je crois que je sais sur quoi je vais partir après. Et c'est un petit peu paquet tout ça, je trouve. Mais il y a des missiles partout, j'ai jamais vu ça. Eh oui! Moi j'ai juste mis au-dessus de mes bâtiments, histoire de. Ça sort du hacker en face d'ailleurs, ils ont pris l'amélioration. Ah, ils ont pris l'amélioration pirate niveau 3. Eh ben on va voir si c'est le fameux counter qu'on nous a promis. Ouais. Avec interférence électromagnétique. Ah oui. Alors on va voir est-ce que le chat avait raison ou non. Ouais mais le counter de ça c'est je fous de la masse grouillante par devant et terminé hein. Ah oui. Voilà par contre voilà un joueur était déconnecté. Ah non je sais. Maf est-ce que tu vois ce qui est au milieu de l'écran? Quoi hein? L'autre joueur s'est déconnecté, vous allez gagner dans 40 secondes. Ah bah voilà mais en fait le meilleur counter finalement.
Est-ce que ce ne serait pas l'abandon? L'abandon, bien sûr. En même temps, c'est normal d'avoir... Enfin, moi aussi, si je devais m'affronter, je préférerais fuir. Pareil, pareil. Écoute. Ah, en fait, y a un décompte pour savoir si la personne se reconnecte ou pas, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça, je pense, oui. Là, voilà, alors, voilà. Écoute, magnifique. Oui, mais bravo, il compte les points. Ben, je pense, vu que c'était une game classée. Ah oui. Je vais te dire ça. Bah oui. Voilà, c'est des points gratuits. Écoute, même sans jouer, on fait des victoires ce soir. Ouh, par contre, en face, ça, ça va pas rigoler. 900 à 932. Ah non, arrêtez, on devait perdre. On devait annule, perdre. Annule. C'est bon. Ça a été annulé. Non. 1069,85, c'est encore pire. Mais attends, pourquoi ça change? Je sais pas moi. Parce que les gens ils annulent en face, je pense. J'ai rien cliqué moi. C'est eux qui annulent en face, tu crois? Ouais, je pense. 900,810, mais non, mais on va se calmer là maintenant. Avant, tu sais qu'il y avait 1035 à 900, hein. Oh, pouah, mais non. Du coup... Ben je recommence mon spécialiste Rhino, hein, écoute. Ah, moi aussi j'ai un spécialiste sur Rhino, tiens. Fais la marche des Rhino. On fait la marche des Rhino, allez. Ou alors sinon je prends spécialiste de l'approvisionnement, je fais des phoenix, ça marche aussi. Bah si. J'ai déjà des snipers et des massues, ça marche bien. Pourquoi pas, alors, pouah, soyons festifs. Ah, il y a des balls. Des balls. Des balls de quoi exactement? Des balls of steel, des balls d'acier. Ah, carrément. Bien sûr. Oh là là. C'est ce genre de personne. Ah bah eh. Allez. Je crois que... Ouais, je sais pas si je vais m'en sortir moi avec cette histoire. Ça prend quoi en face de moi? Spécialiste de la vitesse. Après nous être battus contre une tomate, nous affrontons maintenant un œuf. Les deux aliments se combinant ça à merveille d'ailleurs. Je vais dire oui, ça marche bien. Ah, en omelette, c'est un régal. Ah oui. Ah oui, une petite fricassée aux œufs avec un peu de lard et tu remets des tomates par-dessus. Moi, en été, avec les tomates du jardin, je m'éclate avec ça. Tu sais que t'es en train de donner faim à beaucoup de monde, là. Ah oui, mais j'adore. Moi, le premier. Moi, j'aime beaucoup donner faim aux gens. C'est une espèce de petite passion, un petit plaisir coupable. Sous-côté, les tomates avec les œufs. Bah, les omelettes sous-côté. Court. Ah, moi je bouffe ça tout le temps, hein. Je te mangerai ça tous les jours. Hein. Alors je sais, je comprends pas. Peut-être que je gagne, peut-être que je perds, je sais pas. Ah non, je perds. Bah écoute, de mon côté. Ah oui, mais t'as pas mal d'unités à toi chez moi. T'as des rampeurs chez moi en fait. Ah ouais. Mais ils étaient partis loin en plus. Bah ouais, je sais pas. Bon, ils vivaient leur meilleure vie, ils ont le droit. Hein. C'est des rampeurs libres finalement. Ah bah d'accord, le free ramper. Exactement, bah du coup on devrait pouvoir la gagner. Comment on dit rampeur en anglais? Crawler, je crois. Free crawler. Oh, en plus, tu détruis le bâtiment, incroyable. Le sniper qui tire à ses pieds, c'est le canon qui est trop long normalement, tonk, qui doit toucher le sol. C'est la béquille. Merci Vordana pour les 40 mois. Pas clair ça. Je prends hacker lourd au cas où pour plus tard. Moi je vais prendre bouclier 40%, allez. Forteresse avec un bouclier plus fort, je trouve ça sympathique. Ouais. Surtout que ça protégerait des rhinos des hackers. Que les hackers sont nuls contre les boucliers. Ah oui. Ah, y a beaucoup de rampeurs en face. C'est vrai que je regarde mes rampeurs, mais je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aillent aussi loin. Bah, c'est pas les... Ah oui, mais...
Bah en fait il cible l'unité la plus proche et quand tu regardes en fait oui c'est bien celle-là. Hein. Ouais ouais. Il y a tellement de rampeurs en face chez moi que... Un petit peu obligé de réagir là. Par contre j'ai déployé un peu trop mes unités en ligne. C'est un peu simple à contrer. Pas trop mal pour moi. Oh là là, ils spamment les rampeurs chez moi, c'est fou. Ah ouais, ouais ouais. Il y en a vraiment partout. C'est les tiens ou les miens qui viennent chez... Je sais plus. Là pour l'instant... J'ai trop de rampeurs, je comprends plus rien. Attends, mais c'est qui ça? Ah mais t'as mis plein de rampeurs aussi. Ouais et puis moi j'ai mis l'amélioration où les rampeurs ils boostent les... Tu sais quand ils mangent ils sont plus forts. Quand ils mangent ils sont plus forts. Je vois pas tes améliorations. Ils sont plus nombreux. Le répliqué? Oui. Là, c'est marrant, je vois pas l'amélioration chez toi. Alors que si moi... Ah bah alors attends, y'en a à toi, y'en a à moi en fait. Là dans les deux groupes c'est un peu compliqué. Y'en a à nous deux. Oh bah écoute ils s'entendent bien, bah écoute voilà. Ils s'entendent bien. Grand bien leur face, hein, moi je dis. Qui sommes-nous pour juger ? Exact. Bon, je vais quand même mettre un sniper de plus parce que j'ai un petit peu peur des... Des saletés. Des phénix. Ouh, il a déjà sorti le vulcan en face. Ah. Il a déjà sorti le vulcan en face. Pourtant, avec les snipers que t'as, ouais, c'est pas. Je sais pas, c'est pas clair. Parce qu'en fait, il a vu que j'ai pris l'amélioration des rampeurs qui se duplique. Tout à fait. Ouais. Ah oui, là, je la vois ton amélioration, effectivement. Aïe le rhino, aïe le rhino. Ah, ça laisse le temps à mes snipers de faire le taf. Allez. Oh, j'ai bien fait de prendre un sniper de plus. Ouhouhou, tout juste. Je l'ai eu chez moi. Bah moi ça va passer grâce au phoenix. Ils sont classe les rhinos visuellement. Ouais, j'aime beaucoup. Oh les dégâts. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on leur fait? Je sais pas. Je suis désolé de lire, c'est un peu... Je ne sais pas. Oui, je suis un petit peu désolé de ce qui se passe quand même. Parce qu'en fait, on n'est pas habitué à faire ça. Bah non. Non, c'est vrai que ça change. Surtout que c'était mieux classé que nous en plus. Oui. Oh là là, ils étaient combien? 800, c'est ça? Ah, c'était mieux que nous. Ouais, je crois que c'était 800-900. J'ai bien dit Hills, comme c'était déjà fini, on a déjà gagné, bien sûr. Oui, c'est ça. Tu vas voir, on va se prendre un karma. Après, sidéral. J'ai refait des vulcains alors que j'ai refait des phénix, ça, il va avoir du mal à... À gérer. À gérer. Après, il y a beaucoup de Mustangs par contre en face. Oh, chez moi, il a pris beaucoup de Mustangs et des Phoenix à crever. Là, j'ai peut-être pas assez d'anti-aériens. Enfin, il en a 6 en fait. Après, chez moi, les Phoenix, ils peuvent commencer à phénixer. Ils ont 16 ans, ça y est. Ouais, ils ont 16 ans. Bah, écoute, faut que jeunesse se fasse. Hein. Bah oui, il faut bien. C'est à toi ce petit vulcain? Non. Ah, ça phénixe plus des masses, hein.
Non mais ah, si, regarde là, il y a un petit groupe qui phénix. Ah mais c'est le tien ça. Mais oui c'est le mien, regarde, il phénix en ce nombre. Mais pourquoi ma souris elle devient rouge quand je les mets au-dessus de tes unités, c'est pas clair ça? Je sais pas parce que tu es énervé. Mais peut-être. Je ne sais pas. C'est perturbant ça. Ah tu es nerfé. Bah écoute, je crois que c'est la partie la plus expéditive qu'on ait jamais faite. Bah écoute, J'ai presque mal au cœur pour eux. Ah oui. On a battu un œuf. Merde, le meilleur aliment de cette galaxie. Surtout que c'était 900 et 900, je crois, un truc comme ça. Mais je crois qu'on est devenu trop fort d'un coup. Bah ouais, parce que là, du coup, parce que attends, je suis à 725 en MMR. Ah non, on a noté, je comprends mec plus. Je comprends plus pisser là. Ah non, mais là, maf, on a cassé le jeu là. Oh, je là, pense qu'on peut l'arrêter en mode game. C'est bon. Ah ouais. Je crois que c'est la première soirée que je fais sur Mechabellum où je souffre aussi peu. Bah pareil. Bon, ça fait du bien de temps en temps. Ça fait, c'est tellement agréable. Genre, je crois qu'on est si sur 6-2, un truc comme ça. On a eu deux défaites, ouais. Ouais, mais genre 6 victoires, un truc comme ça. Ah ouais, on est sur une bonne session, là. Ouais. C'est vrai que c'est très plaisant quand tu gagnes ce genre de jeu. Bah écoute, je me suis toujours bien amusé dessus, même quand je me faisais poire à laver le fion. Mais honnêtement, c'est encore plus délicieux. Bah oui. Bon alors, est-ce que du coup, cette fois-ci, je peux retenter la spécialiste aérien et voir ce qui contre les phénix? Bon bah, le spécialiste rhino, c'est validé, hein. Ah, c'est validé, hein. Je vais le reprendre, je vais essayer autre chose. En fait, le truc avec le spécialiste rhino, c'est il faut réussir à construire un build dans lequel, quand le rhino arrive, il est à son aise, tu vois. Oui. Et c'est sympa comme mécanique. Qu'est-ce qu'il y a en face? Faiseur d'orage, Crow. C'est moi qui vais pouvoir phénixer. Hé hé. T'as pris qui toi? Rhino. Et là, je sais pas trop quoi prendre. Il y a du truc en face. Ça, c'est pas évident. On va partir là-dessus. On va essayer. Ouais, pareil. J'ajoute juste une petite unité de phénix pour pas claquer trop de thunes. Et on va voir. Quand même deux snipers en face. Ah, c'est pas grave. Ah, par contre, on a l'armada de phénix là, tous les deux. Ah ouais. Ouais, ces faiseurs d'orage sont en train de me laver, donc ces phénix, ces snipers vont me démolir, moi. Et les crocs, ça marche bien contre les phénix, hein. Oui. On dirait pas comme ça, mais ça marche vachement bien. Ouais, quand on a suffisamment, c'est horrible. Oh, je me suis fait poutrer. On a une trace des phénix, là, il reste 3 phénix qui défoncent des trucs. Il y en a un seul à moi, les deux autres sont à toi. Ah, oupsie. Bah comme ça, ils sont toujours occupés sur un de mes bateaux. Voilà, ah, bonne chance. Et merci beaucoup. Ah, allez, bonsoir. Alors, peut-être que je vais pas faire tant de phénix que ça. Peut-être. Bon, en vrai, ce qu'il me fait, il aime pas quoi? Il aime pas les Vulcains. Et dis donc, ils nous font mal dès le début, là. Ah ouais, ils ont rigolé zéro. Ouais, ils ont pas le temps. Spécialiste fabrication senior, je sais que t'es en train de lorgner sur ce truc. J'ai déjà cliqué dessus. Hein. Ah bah oui. Mentir. Allez, je t'accompagne. J'ai besoin de Vulcain pour contrer ce qui m'a mis. Et de forteresse. C'est pas moi qui ai décidé, c'est le jeu. Hmm.
partir sur du faiseur d'orage de mon côté. Pas bête. Ouais, tu tires plus lent que les snipers. Oh, petit missile. Pas être exactement où juste aimé qu'il a été. Tant pis. Ouais, faut du Vulcain, tous les caca qu'il a. Tout le Vulcain, ça me fera le plus grand bien. Moi je DPS pas assez vite son armée. Par contre je viens de calmer ses snipers là. Ah alors, alors peut-être, parce que il y a quand même ces crocs qui sont bien bien calmés aussi. Ah mais non, il y en a encore plein, ok. Non, par l'autre côté, non. Non, moi il faut vraiment du Vulcain, il a que de la masse. De la masse nulle, Vulcain ça va le... Ouais. Ça va counter. Par contre, il rigole pas, hein, on a intérêt à trouver vite. Hein. S'il nous reste des points de vie au prochain tour. Exact. Je vais finir, je vais devoir faire un emprunt pour faire double Vulcain, quoi. Bah en fait, moi avec les rhinos, j'ai de quoi calmer sa masse. En réalité. Bon, je fais flanc gauche. Bah ouais. Ok, là je pense que j'ai un truc. Ah oui, double. Ah oui. Ah bah oui. Avec un petit missile là. Ouais, ça vraiment, détruire son bouclier, mais oui. Ah oui, mais il a tout paqué. Attends, il a mis quoi là? Rage mécanique. Voilà, les vieux crocs de ses morts, les mustangs de ses morts, ça fait moins les malins maintenant, hein. Oh, j'ai lavé sa ligne de pro là. Par contre, la suite c'est pas clair. Ah moi, oui, toi, c'est bon, par là, contre... C'est, oui, bah oui. Il a pris double Vulcain sur sa ligne, maintenant au bout d'un moment on va arrêter de rigoler 30 secondes. Ouais, moi c'est pas encore ça. Mais du coup c'est bon, je devrais réussir à... Non, moi je me suis fait pouterrer. Mais après, oui, tu vas. 4, 6, 8, 8 phénix, 2 vulcains. Oh ça va, tu vas gérer là, tu vas gérer large. Ah large. Oui, il reste plus grand chose, oui. Les deux vulcains qui arrivent derrière. Ah moi on m'a dit tour 3, il rigole 0. Mais je pense que j'ai un complexe, je pense que c'est ma taille, parce que regarde là, tour 3, j'ai fait 2 vulcains. Voilà, allez, c'est parti. Rigole 0. Voilà, nous aussi, monsieur rigole 0. Bon allez, je tente. Je tente le nettoyage à sec. Oh, il a mis un Ben voilà, pour contrer cœur, le hein, Vulcain. Ouais. Il a mis un hacker. 2. Ouf. Après, normalement, tu vas plus vite avec les crocs, donc pas dit que ce soit si bien que ça. Les rhinos vont plus vite, je crois. Ok. Moi, il a mis double rhino contre les vulcains, par contre. Ah oui. Bah, t'as plus qu'à mettre quelque chose derrière pour récupérer la main. Oui, puis il y a les phénix quand même encore derrière. Ouais, mais ils arriveront peut-être un peu lentement. Eh, ils vont vite. Ouais. Ah ouais, ils me les prennent. Hein. Est-ce qu'ils gardent des améliorations? Ils gardent des améliorations! Ah oui! Ouh, attends. Si. Ok, donc là il faut que je mette du bouclier devant quoi. Ah ouais, si on est encore en vie. Quoi, ça s'est mal passé chez toi? Non, moi c'est bon, c'est gagné, mais
Bon, écoute ça. Ouais, ça va. Ouais, il faut quand même mettre un peu la sauce. Faut voir si ton Vulcain. Ah oui, il est pas si si en forme que ça. Ouais, il est, ouais, il a fait mourir. Ah oui, non, il y a encore du monde chez eux. Ouais, bah ouais. Et après ça, au moins tuer un ou deux trucs. Ah ouais, c'est pas clair. J'ai non, peur non, que non, là ton Vulcain. Ah, tout ce qu'on détruit nous rend plus fort. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va, les 2700. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. On perd quand même la moitié. Donc là, je sais ce que j'ai à faire. Est-ce que les forteresses, ça counter les rhinos ou pas? Je pense que potentiellement ce dont tu vas peut-être manquer là, c'est plus du DPS, non? Merde, je me suis goûté, j'ai mis ce clic. Ah non. Oh, quel idiot, je voulais prendre une deuxième forteresse. Et j'ai pris un rhino de plus. Ah, quel idiot. Ça arrive même au meilleur. Ah. Ça n'arrive qu'au meilleur. C'est l'offrande. C'est l'offrande. C'est peut-être une offrande. Et puis peut-être qu'en fait, des fois tu fais des erreurs, puis après tu te rends compte que c'est des bons plans. Ouais, écoute, là on va le savoir. Tu vois ce que je veux te dire? Putain, il suffisait que je fasse un emprunt, j'avais une deuxième forteresse. Oh, ah ouais, ça part full à cœur en face, plus bouclier, je suis dans le caca. Ok, moi c'est bon, les rhinos ont été gérés, les forteresses effectivement défoncent bien les rhinos. Ah putain, oui, c'est hacker, me récupère tous les rhinos. Oh lolo. Ah oui, ok, tout, mes rhinos sont ces rhinos. Après, si tu pouvais en exploser un, t'exploserais peut-être tous. Non, ils ont pas l'amélioration explosage. Ah zut, plus de parachute. Et ouais. Bon, après, j'ai des trucs qui arrivent. En fait, je vois ce qu'il faut. Eh ben ok, ben écoute, ce soir, ça m'aura permis de comprendre deux choses. Le rôle des hackers et le contrage des rhinos. C'est bien. Ah, par contre, avec tout ce que t'as encore, toi. Je sais pas, le problème c'est que j'ai peur, c'est que les pirates, ils me piratisent. Ben ouais, mais c'est lent parce que t'as beaucoup de PV, quoi. Ouais. Allez. Ouais. Allez. Allez, ça dégage. Allez. Oh, les phénix, là. Ouais, Phoenix ils sont fous, Phoenix c'est pas. Ah, par contre c'est le... Ouais, c'est le rhino là, c'est mon rhino de plus haut level là, il est en train de tout laver. Aïe, ah bah il m'a lavé ton rhino. Ouais. Ah, c'est super, je joue là, à 3 contre 1, là, c'est fini. Bonne ambiance. Ça c'est fini. Ok, donc ouais, ah, les... c'est beau. Ouais, on là, a... c'est nous qui avons pris là. Ouais, on a pris. Ouais. Ah ouais, donc les hackers dans ce genre de truc, c'est effectivement fort. Ouais. Très fort. Les rhinos, c'est puissant, mais c'est vraiment leur talon d'Achille, ça. Par contre, Maf, normalement, c'est moi qui joue KO et que tu es censé te trahir. Pas l'inverse. Ah bon? Bah oui, non mais je sais que tu fais semblant d'être la Chaos Corp alors qu'on sait tous que tu es une succursale de l'Inquisition. Mais normalement, c'est moi qui trahis, c'est le Chaos qui trahit, c'est mais pas toi qui trahis. Mais j'ai trahi qui, moi? J'ai trahi personne. Et Rino, ils sont trahi qui, là? Mais Rino, ce sont des libres penseurs. Ah bah super. Et bah, je trouve qu'ils pensent un petit peu trop. C'est vrai qu'ils ont, ils pensent fort là. La quoi en face de toi? En face de toi, il a strictement rien qui gère. Du coup, je vais mettre deux phénix vers chez toi. Ah, t'as déjà des phénix aussi? Bah oui. Ah oui, donc ok, il va avoir forcément un truc qui gère. Ouais, il va forcément avoir un truc qui gère. Ouais. Moi, je vais sortir. Putain, il a que de l'antimasse. Oh, c'est quoi, vas-y. Je fais une ligne de faiseur de lumière. Voilà. Zou. On verra après.
succursale de l'Inquisition. Vous m'humiliez, vous m'humiliez. Mais pas du tout, c'est une couverture, on le sait tous depuis le début. On ne vous permet pas. Parlons de chaos, c'est quand qu'on se tape. Bah bientôt, il va falloir qu'on prévoie ça, monsieur. Ah oui. S'envoie des balles en mousse. Oui. Ah, les rampeurs rampent. Ah, ça a du sniper en face et j'ai... Ouais. Mes phoenix n'étaient pas assez derrière. Ouais, mon sniper a pas assez bien snipé, mes rampeurs ont pas assez bien rampé. Ah, ça va quand même malgré tout, j'avance. Ouais, ouais, ouais. Ce qui me fait peur, c'est le full Mustang plus sniper adverse. Ça va beaucoup dépendre de l'ordre dans lequel on va arriver là. Ouais, qui tape qui quoi. Ouais, mais je vais avoir mes phoenix qui vont arriver en premier, qui vont se faire allumer par les snipers. Ah mais attends, t'as encore des trucs à toi. Ouais, mais il y a des phoenix dedans, mais ils se font sniper. Ouais, les... Voilà, c'est... tous mes phoenix sont fait phoenixer. En fonction de l'ordre de, d'arrivée, ça pouvait le faire, mais ouais. là c'est foutu. Voilà, et là, le phoenix reste en rock. Aïe, aïe, aïe. Ah, on prend 300 points, écoute. Oui, c'est de l'amour. Bah oui. C'est du phoenixage. Exactement. Hop, je vais honteusement profiter des 70 secondes qui sont devant moi pour aller faire un tout petit tour aux toilettes, vite fait. Vas-y. Prends ça, comme ça, ce sera fait. Oh, il est déjà cette heure-là, ça passe si vite. Merci Animar pour les 28 mois. Le phénixage, c'est terrible. Ce fléau. Bon, on va voir. Là, je vais mettre... Mes guêpes coûtent moins cher, donc je vais me permettre d'en mettre un petit peu partout, juste pour l'ennuyer. Et pour occuper un peu le terrain. Et laisser servir de bouclier au phénix. C'est quand le DLC de Total War Warhammer 3? Le DLC, il sort jeudi. Attends. Oui, jeudi, il est dispo. Je sais pas à quelle heure, par contre. Aucune idée. Ah ouais, par contre, bouclier direct, là, ça va pas être évident. C'est le 31, ouais, bah c'est jeudi. Re. Alors, il s'est passé quoi? Re. On a tous gagné. C'est pas clair. Ça a claqué un bouclier en face de moi et là ils sont sérieux là, c'est... ils se laissent pas faire. Alors, attends, y'a des Mustangs, des snipers, moi je vais quoi, je suis où? Moi je dois être mort j'imagine. Ouais, tu es tout à fait annihilé, oui. Bah Mustang, oui. Mustang sniper hein, face à tes phoenix, ça ne pardonne oui, pas. Oui. Ouais, c'est pour ça que je suis en train de partir sur des autre chose. Oh. Ah, capable de recruter immédiatement un rhinocéros de niveau 3, ça me parle ça. Est-ce que ça marche face à ce qu'il y a en face? Il y a du sniper. Par contre, face au Mustang, a priori, ça peut être bien. Faut juste que je le débloque le rhino, c'est ça, pour l'acheter directement niveau 3. Je vais toujours le prendre, moi. Bon, d'accord, faut quand même que tu payes pour le rhino. Enfin, oui. Pour débloquer le rhino. Oui, tu dois le débloquer quand même. Il est où le coquin de rhino? Elle est là. Moi ça va partir sur...
artifaiseur d'orage. Et là, faut gérer les boucliers. Ah oui, toi, ça part. Fais gaffe, le rhino, il va vite. Hein. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Il va limite trop vite. Ouais. S'il arrive tout seul, c'est vite complexe. Voilà. Cette fois... Oh, mais il a mis un bouclier, le fourbe. Ouais, mais les rhinos, ils passent à travers. Oui, mais du côté où j'ai pas le rhino, justement. Ah oui. J'ai sorti les faiseurs d'orage, histoire de détruire son bouclier, mais non, pour l'instant, il tire pas trop dessus. Oh la vache, c'est ces marteaux qui sont... Oh, putain, mais il m'enfonce, là. Wow. Quel plaisir, par contre, le rhino qui déroule l'aile à lui tout. Il ah a ouais tout ça de l'autre côté. Oui, oui, moi je me suis fait rouler dessus là. Ah, mais sans, il va falloir des vulcains, il n'y a pas le choix. Hein. Voilà, là, là, là. Oh, comme il encaisse encore, comme il encaisse, comme une. Ah oui. Ah, son bouclier qui a tenu quoi. Ouais, bah, pareil de mon côté. Pourtant, j'avais mis des faiseurs d'orage, mais une unité ce sera pas assez. Ah, la descente de Vulcain qui peut être cool, mais c'est trop cher là, je trouve. Ouais, moi j'ai pris le Vulcain tout court. Ah, mais le rhino, tu l'achètes directement 3 tout le temps. Oui, oui, tu peux plus acheter niveau 1 du coup. Et donc tu les payes plus cher. Ouais, tu les payes 400 quand même. Ouais, tout à fait. Par contre, je vois que il n'y a pas des masses d'anti-aérien du côté centre. Donc, je vais mettre deux guêpes là-bas. Ouais, parce que moi, en face, du côté gauche, il y a 50 000 packs de Mustang. C'est infernal. Alors, en fait, non, pas du tout. Ah, là, tout de suite... un petit peu mieux pour le... Voilà. C'est une catastrophe avec son bouclier, c'est mort. Non, c'est pour ça que j'ai mis les faiseurs d'orage, mais c'est pas encore, c'est pas encore il pour a ça. Mis un, il a mis un anti, anti-véhicule géant. Ah putain, point de fusion. Ouais. Ils ont oublié d'être mauvais en face, comme on dit. Ouais, complètement. Ah oui, il reste encore du monde. Moi, je le gère pas encore, mais ça commence tout doucement à aller. C'était bien passé la fois d'avant, et là, la catastrophe. Ouais. Oh là là. Le point de fusion plus le bouclier, ma full counter, c'était un drame. Bon, bah écoute, là, soit on se reprend, soit ça pique. Hein. Ah, soit on se reprend, soit on est... soit on passe à la manche suivante. Écoute, c'est peut-être ça. Hein. Oui... En fait, je suis en train de me rendre compte que mes... Il a pas de masse. En face de moi, il a pas de masse. Donc en vrai, les phénix devraient être pas mal avec l'amélioration de portée. Ah, moi, j'ai tout donné. Hein. Écoute, je prends un risque. Vas-y. J'ai mis deux boucliers, trois missiles. Foutu pour foutu.
Autant y aller à fond. Exact. C'est le moment de prendre l'emprunt. Hein. Ah, il est tout là. Déjà, le tour précédent, il avait été pris l'emprunt. Ah! On vit à crédit. Très bien. Voilà, j'ai zéro là, j'ai mis tout ce que j'avais. Ça remet le bouclier en face. Ça, putain, il a. Mais oui, il a mis des défenses antimissiles. Oh, il me déboîte tellement! Ah, ça, le Vulcain va peut-être. Enfin, même pas, mais il y en avait un deuxième. Ah, il m'a vraiment counter de A à Z. Ah ouais? Ah, il y a quand même le côté droit que j'ai gagné. J'ai gagné un côté. J'ai gagné un côté quand même. C'est à toi ce qui arrive de là-haut. Non. Non, mais il me reste un petit faiseur d'orage. Qu'est-ce qu'il lui reste? Oh, le point de fusion, au secours! Surtout les 50 000 Mustangs! Ah, j'avoue. Amélioration de portée sur les Mustangs en plus. Ah ouais, non. Là vraiment, au secours. Au secours. On s'est fait. On nous a appris la vie. Gentiment, poliment, merci pour le raid. La bienvenue. Bienvenue. Je suppose que vous étiez encore sur PG3. Je pensais que c'était. Wing. Pour les 46 mois. Oh! Oh, les 118 PV, c'est pour nous! C'est pour nous, Mammoth! Allez, regarde, le javelot orbital contre son c'est truc. Obligatoire. Ah je ouais, c'est je obligatoire. Le prends aussi. Pareil. Je lui snipe le deuxième, regarde. Il a plus de points de fusion, c'est fini. Oh là là, il me reste 700. Oh que c'est pas évident. Oh que c'est pas évident. Je vais essayer une forteresse. Ok. Allez, raison, on espère. Hein. Oh, il en a mis deux. Ouais, bah il a. Toujours ça... plus. Il en a mis deux. À gauche, il en a mis deux dans la gueule. Ah, il en. Il en avait deux, il en a ajouté un, quoi. Oui. Bon, bah là, il en a plus qu'un. En vrai, du coup, on gagne le côté droit. Si le côté gauche le passe, t'as pas trop mal. Oh, ça gagne, hein. Mais what? Je me Quoi fais mais imploser. Mais non, mais t'as tous les trucs bleus là qui tirent. Quel truc bleu? Non, t'as tous tes lance-missiles. Ça oui, va le oui, faire. Mais... Ah non, oui, non, je gagnes. Me fais pas imploser. Non, tu déroules là, c'est la déroulade, monsieur. Ah oui, non, t'as raison. En fait, c'est juste que ma forteresse a explosé, mais c'est parce qu'elle a absorbé 100% des projectiles, quoi. Ouais, ah ouais. Ah non, là c'est nous par contre qui allons leur mettre une petite dose, hein. Ah oui? Oh! Oh! Oh les 118 PV! Oh les 118 PV, Marmotte! Il faut qu'on vive ce moment! Par contre, la seule problématique, c'est que là, ça fera plus marcher ce qu'on vient de faire. Ouais, oui, les deux points de fusion, j'avoue. Crawler de niveau 5. Moi, j'ai pris. Foutu pour foutu. Au moins, est-ce qu'on peut pas se dire qu'on a un peu sauvé l'honneur? Si, ça c'est fait, ça c'est fait. Vas-y, je tente. Et là, joue de forteresse. Ok, j'ai moultes unités qui pourraient être améliorées mais qui ne le seront pas. Par contre, deux crawlers de niveau 5 qui arrivent, plus une nouvelle forteresse. Alors peut-être. Bah en fait moi, les crawlers... Sur le full rhino.
Ouais, les crawlers, c'est vraiment ce qui va pouvoir contrer les points de fusion chez toi. Ouais. Surtout qu'ils passent à travers les boucliers, donc... Et chez moi, bah écoute, on va voir. On va prier fort, on va serrer les fesses. Je pense que comme d'hab, on va gagner du côté droit. Ces arcs-lumières me les ont explosé, les crawlers. Si j'arrive à détruire, peut-être que j'arrive à détruire son truc. Allez, allez détruire. Oh oui, c'est bon. Oh, ça a passé, on a réussi à détruire son... Je crois que ça passe chez moi aussi. Attends, difficilement, mais... Il a plus rien. Si, c'est bon, ça passe. Oh, ça passe chez moi. La remontada. Oh, la remontada. Oh, il croit... Il y a tellement de géants sur la table. À 118 PV! À 118 PV! On va le vivre! On va vivre ce moment! Ah oui! Ah ouais, et le Vulcain là qui finit tout. Oh. Eh ben voilà, monsieur. Oh. Allez! Oh le petit moins 2500 là! Allez! Oh mais la remontade! Mais on s'est fait bourrer tous les deux pendant tout le truc! Toute la partie est d'un coup. Sur les javelots, dès que les javelots sont arrivés, ça a changé. Ah oui, oh là là, incroyable. Oh, incroyable. Et mais en plus, t'as su transformer l'essai après sans les javelots, et ça, c'est beau. Oh, mais c'est les crawlers, en fait, j'ai réussi à faire tanker, parce que pour du coup, les autres arrivent à pas tirer tout de suite sur les gros géants. Ah bah oui, c'est... Les crawlers niveau 3, les crawlers niveau 5, ils sont bien carry. Ouais, mais chez moi aussi, en fait, ils se sont fait exploser, mais ils ont absorbé une bonne partie des projectiles, en fait. Et donc, ça a laissé le temps au reste de s'avancer, et puis après, les forteresses ont encaissé le reste. Ouais. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Plaisir, là. Merci Ashley pour les 15 mois. Merci Lewing pour les 46 mois. Ankaragoum, merci pour le Prime, bienvenue à toi. Alors... Ah, elle était magnifique celle-là. Ouais, elle était plaisante. Je pense que là on peut perdre toutes les games suivantes, on est bon. Hein. Tu prends qui? Suisse de l'aérien. Moi j'ai droit à un spécialiste des géants et je t'avoue que... Ah bah fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Ouais, je vais partir là-dessus. Allez. Ah c'est vrai qu'on rejoue contre l'œuf. Ah oui! C'est vraiment ça en plus, hein, son pseudo aussi, c'est œuf. Egg. Œuf. I'm an egg. I am an egg. Gros caillou. Alors que l'OST de Darktide. Tiens, joué là, Darktide. Je l'ai pas relancé depuis le lancement. Ah, il est vachement tombé dans l'oubli, hein. On va pas se mentir, oui. Mais après, en même temps, si tu veux. C'est d'en faire parler en ce moment, c'est impossible avec tout ce qui sort. Ah oui, oui, non, complètement. Mais on en parlait avec le chat hier ou avant-hier, je sais plus, mais le fait que les devs ont tardé de fou à vraiment apporter un tant soit peu de contenu. Oui. Mais regarde, tu prends... comment ça s'appelle? Tu te rappelles le jeu de Shiro Game Dune Spice Wars? Oui. On avait bien aimé tout ça. Là, il sort en 1.0 dans 2 semaines, mais il sort en release officiel dans 2 semaines. Tout le monde l'a un peu mis dans l'oubli aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Pourtant, il était bien. Oui. Il était vachement bien. Mais cette année, j'ai l'impression qu'il y a tellement de grosses sorties et de jeux bien, quoi. Pas seulement des grosses sorties, mais des jeux bien. Ah oui, oui, c'est chaud. C'est incroyable. Puis là, la fin de l'année 2023, ça a pas l'air de se calmer. Hein. Ah ouais, moi, j'ai mal vu, mais j'ai l'impression à partir d'octobre, il y a moins de trucs qui me parlent. Bah, t'as Starfield, le DLC de Cyberpunk, Space Marine 2. Ça, c'est septembre. Ouais, Space Marine 2, on a toujours pas de date, si. Ah oui, non, c'est vrai, on n'a pas encore de date. C'est peut-être même 2024, celui-là, non? Ouais, je crois que c'était peut-être 2024, je sais pas. Je sais plus. Mais Space Marine 2, plus il se dévoile, plus il a l'air cool. C'est clair, ouais. Bah, je pense qu'il va rentrer directement dans le top 5 des meilleurs jeux 40k ever. Ah oui, il y a de fortes chances. Oh là là, il y a 1 million de crocs en face de moi, j'aime pas ça. Après, j'ai des snipers et des mustangs. Ouais, c'est des crocs.
Ouais. Ah, ça les a calmés le bâtiment tout de suite. Ça m'offre de quoi en tomber quelques-uns. Et en plus, il y a Mustang qui fonce sur le deuxième bâtiment. Ah, les Mustangs par contre, ce serait pas mal. Voilà, fini pour moi. Ouais, t'as vu, regarde là le Mustang. Ah, ils mettent un peu de temps. Ouais, ils sont que 4. Hein. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, par contre, les Mustangs vont faire le reste avec le bâtiment. Normalement, ouais, ouais. Merci, Elf. Tu fais d'arriver à temps, pour les 32 voilà. Mois. C'est bon. Ouais, c'est bon. Pas de stress, tout s'est bien passé. Les Mustangs ont carry. Oui. Oh, spécialiste de 3 déploiements par tour direct. Ah toi tu oh direct. Pas. Allez, allez, 3 déploiements par tour, je trouve ça absolument fou moi. C'est vrai que c'est très fort. La question étant, est-ce qu'on sortirait pas un petit impérial? Non, on va attendre le tour prochain. Moi, généralement, je t'avoue que j'attends tour 3. Allez, soyons raisonnables. J'attends le troisième tour. Je suis quelqu'un de poli et respectueux vis-à-vis de mes adversaires, j'attends le troisième tour. Après, rien ne te force à l'être. Oui. Non, là, moi, ça va partir sur... du rampeur flanking. Ah oui, full rampeur flanking. Ouh, c'est sale. Mais le problème, c'est que s'il met un missile, ciao quoi. Ouais, mais là, il pourra pas le mettre là. Et après, du coup, c'est-à-dire qu'à tous les tours, il met 50 là ou quoi. Oh, écoute, j'essaye. Je vais essayer. Mais c'est vrai que s'il met vraiment beaucoup de... Enfin, s'il met un missile à chaque tour, il ouais. Me tue quasiment 2 unités sur les 3, quoi. Bah écoute, on continue à bien sniper, donc ça devrait continuer à le faire chez moi. Moi, je vais me faire avoir de nouveau. Il m'a pas mal counter avec des guêpes qui m'ont bien nettoyé mes rampeurs. Ouais. Ah non, je vais pas gagner. J'ai dit une bêtise. Il me reste plus qu'un sniper, il reste un phoenix. Mais je crois que tour d'après, je vais partir sur l'impérial, je pense. Ah bah oui. Ouais, même essayer de le mettre de flanc, tiens, l'impérial. Ah. Ça peut être un excellent plan. Ah non, j'ai pas... Enfin, si en fait ça mettrait ses balles d'acier dans le vent. Oh ouais. Oh, tu sais quoi, soyons fous. Ah merde, c'est trop cher. Les vrais problèmes de la vie. Ah le con. Ok, il mise à fond sur ses crocs là chez moi. Ah. Il mise vraiment très 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 fort sur ses crocs. Ah, j'aurais pu le mettre de flanc l'impérial, franchement. Ok, avec le bonus de Mustang, c'est parfait. Ah ouais? Ça passe? Ouais ouais, j'ai le bonus de portée des Mustangs, donc ouais ça passe. Ça défonce ses massues. Enfin, défonce le terme est un peu exagéré, mais ça suffit pour passer.
Oh, toi, ça doit bien se passer aussi avec le petit impérial. Ah non, c'est ça... pas tes guêpes. Ouais, c'est pas mes guêpes. Voilà, il m'a eu. Il lui reste pas grand chose, mais il m'a eu. Mais ça va. Tu vas le gérer. Oui, oui, oui. Je fais confiance avec les. Ouais, avec les Mustangs, je pense. Ouais, bien. Qui ont l'amélioration de portée quand même. Ah oui. Ah oui, génial ça pour gérer les crocs. Parfait. Ouais, ouais, ouais. Pour tout. Pour gérer tout en fait. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai que. Finalement, pourquoi choisir? Voilà. Alors ça j'ai déjà testé, c'était assez séduisant. Munition parasite avec un vulcain sur des masses, je te, ah dis, ouais. Pas, je te dis pas le truc. Ah, ça... Mais là ça va pas être possible vu que j'avais demandé un emprunt au tour d'avant. Ah. Et là j'aimerais fortement sortir un vulcain moi-même, voyez. Oui, je comprends bien monsieur. Oui, les vrais problèmes monsieur, voilà. J'entends bien. Ça fait. Allez, petit missile en protection de nos deux bâtiments là, parce que... Ouais, je me mets un peu sur ton flanc gauche, ça t'embête pas, je me dis hop, quelques petits... Non, vas-y, installe-toi. Un petit sniper avec le bonus, des petits vulcains avec le bonus, ça peut être des petits missiles avec le bonus de portée, ça peut être pas dégueu. Oh, ok, ça sort le point de fusion en face. Très bien. Ouais, très bien, on s'y attendait. Avec le bouclier... Ouais... Et t'as vu, du coup, ça a défoncé les gaps adverses. Parfait. Bon, là, par contre, le point de fusion, il est face à mon vulcain. Là, ça va pas aller. Oh oui. Pour le point de fusion, il était pas le bienvenu. Ouais. Je l'ai tué, mais il m'a détruit mes deux géants. Ça a été très vite. Ça a été il très était vite. Invité, il était pas invité à la fête. Il est venu quand même. C'était chiant. C'est ça. Il prétend que c'est un pote d'un pote. Ouais, ouais. Mais si, c'est lui qui m'a invité. Putain, il se resserre dans le saladier de sangria avec ses doigts dans le truc. C'est dégueulasse. Qui le connaît, bordel? Oh là là. Tu sais, il trempe le gobelet en entier dans le truc. C'est ce genre de personne. Et après, il se plaint qu'il n'y en avait pas assez, qu'elle était trop sucrée. Et après, il dit, oh, la sangria, t'es trop sucrée. Et puis... Et si tu le regardes de travers, il te regarde et il fait... Et alors? Il se lèche les doigts. Ah, oui, je vois bien comme ça. Ouais, tu le vois celui-là, tu le connais. Ouais, je vois. Puis après, il s'essuie sur son t-shirt comme ça en te regardant. Ah, je vois bien ça, ouais. Il fait des grosses traces roses. Ouais. Ouais, c'est celui, quand il va aux toilettes, il tire pas la chasse, ouais. Ouais, je le vois bien, lui. Ah ouais. Ils tirent pas la chasse, mais alors attends, parce qu'il y a des champions du monde qui font mieux encore. Ah ouais? Ah oui, il y a pire que de ne pas tirer la chasse. Il y a ceux qui non seulement ne tirent pas la chasse, et donc laissent flotter des rondins à l'intérieur de la toilette, ouais. Mais en plus, cela te permet visuellement de confirmer qu'ils ne se sont pas essuyés non plus. Oh, c'est vrai. J'ai connu. Et du coup après il va mettre ses mains partout. Oh mon dieu. C'est ça. Oh mon dieu, on a un porteur de germes en liberté. Tu sais, c'est voilà. Signe, tu vois. C'est clair. Et c'est ainsi que Nurgle. C'est ça. C'est The Thing. Le machin, c'est au secours. Aïe aïe aïe. T'es obligé de passer un interrogatoire à tous les tous les invités. Mais qui êtes-vous? Ah, terrible.
Bon allez, je crois très fort en mes... Allez ! Mes rampeurs. Ouah, c'est quoi ça ? Quoi ce bouclier jaune ? Ah bah oui, non, c'est son bouclier à lui. Idiot. Oh là là, ça va pas suffire. Hein. Oh, oh non, le point de fusion avec le multi avec le multi-faisceau, c'est pas drôle ça. Et la phare ? Ça doit être interdit ça. Mais il en a deux. Ça va, il vient vers chez moi. Bah écoute, du coup, ça a été à peu près. Ouais, moi, c'est bon, c'est passé. Ok, point de fusion explosé. Ouais, pour l'instant, je n'ai fait que des snipers et des mustangs. Merci, et ça suffit. Pour le prime. Bienvenue. Quoi, attends, t'es sérieux ? T'as que des mustangs ? Et des snipers. Ah ouais, bah écoute, il m'a quand même battu chez moi, mais j'ai écrémé autant que je pouvais. Oui, et puis là, ce qu'il y a avec le reste de Mustang qui me reste, c'est bon. Ça roule. Plus les snipers qui ont la portée. Eh, faudra qu'on se refasse une soirée bière dégueulasse, hein. J'y repensais la dernière fois. Ah bah oui, oui. Et j'ai toujours la tienne, hein, à la flamme cul. Ah, mais c'est que t'es pas obligé de m'attendre, hein. Non mais, non je mais sais il que faut, ça fait plaisir, voilà. mais te sens pas absolument pas obligé. Je veux dire, si jamais t'as n'importe quelle occasion, ça va être joie. Hein, vraiment une joie très personnelle que je t'autorise à la boire sans bois. Non, tu dis ça, mais je sais que ce serait déception. Je suis pas sûr que le terme déception soit tout à fait celui qui me vienne le premier à l'esprit. Bon, bah, du coup, on va faire plus de Mustang et plus de Sniper, hein, si c'est comme ça. Écoute, moi, je pars sur plus d'Impérial avec les rampeurs qui carissent. Mais surtout que toi, je sais pas où t'avais ton filon de bière improbable, mais t'en avais quand même ramené des... Pas piqué des hannetons, hein. C'est à Strasbourg que j'ai ça, c'est quand je vais voir un couple d'amis à Strasbourg, ils ont une brasserie qui fait que des choses comme ça. Qui fait rien comme tout le monde. Voilà, qui font les trucs les plus... originaux, va-t-on dire. Ah ouais. Après, il y avait des choses surprenantes, mais pas... Ah auxquelles oui, on non, s'attendrait pas, choses, mais oui. qui étaient présents, quoi. Qui, là. Qui fonctionnaient. Gustativement, c'était un voyage. Émission de photons avec les impériaux, je trouve ça vachement bien aussi. Ouais. Toutes les unités au sol en dessous qui gagnent vachement en défense. Ah, je crois qu'il m'a counter, tiens. Ah oui ? Oui, ma pointer, ouais. Ah merde. Et moi, c'est toi qui me... C'est toi qui me tenais à bout de bras jusqu'ici. Pas trop ce que mais ça va donner, alors. Mais après, du coup, là, rien... Je suis sur des impériaux. Mais si t'as deux impériaux, t'es bien. J'ai deux impériaux, oui. Il y en a un qui est pas en forme. Ah oui, mais avec le nerf des bâtiments, je suis en train de me faire bourrer par les crocs. Ah mince. Aïe. Ah oui, avec les phénix qui arrivent là. Aïe. Ils viennent de nous mettre beaucoup de dégâts. Oh, t'inquiète, je vais passer sur... double impériaux. Comme il a pas beaucoup d'anti... il a très très peu d'anti-aérien. On va passer sur double impériaux directement. Petite amélioration, vous allez avoir des guêpes. Il y en a un qui a directement passé niveau 2. Et un petit missile. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, ils ont fait masse-massue. Il a fait masse-massue et masse arc de lumière pour counter mes Mustang. Mais du coup, il n'y a rien devant. Donc, on peut pas être vraiment les impériaux bien devant. Comment on revend ? Ah oui, comme ça. Ah, c'est une seule par tour, hein, merde. Voilà, sache que c'est bon, le souci était réglé de mon côté, on ne devrait plus avoir de problème. Je devrais gagner. Sauf si counter mon counter. Oui.
Mais ce qui est peu probable, sauf s'ils sont sur le live, quelqu'un les salue bien fort. On espère que leur cancer du cul se passe bien. Merci Mook. Bonsoir Monsieur Mook. Merci pour les 6€. La voix de la marmotte me fait de l'effet. Je vais me désabonner de Amourante. Il fait aussi des squats. J'ai une question pour toi de la part de mon chat. Oui. La voix de marmotte me fait de l'effet. Je vais me désabonner de Amourante. Est-ce qu'il fait aussi des squats? Pas aussi bien qu'elle. Ah, mais donc tu les fais. Oh, les rampeurs par contre, quand ils atteignent les points de fusion, oh là là, ils explosent. Ah bah oui, ça les explose. Ah bah du coup, les impériaux n'ont effectivement pas du tout été contrés. Ou si peu. Les impériaux chez toi? Un peu quand même. Ah, s'il y en a un des deux qui a été contré. Ah, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Ah, mais c'est carrément plus compliqué que ce que je pensais en fait. Chez moi, c'est compliqué aussi là. Il y a le point de fusion qui est passé là et qui me fait mal. Ouh, ouais, ouais, ça. Je suis foutu. Oh, il nous restait combien de PV? Ah non, ça va, ça tient. Ça tient, mais. Si, ça tient. Mais par contre, si on perd encore une manche, c'est foutu. Un crawler d'élite. Je pense que je vais partir sur des crawlers d'élite en vrai. Hein. Et crawl d'élite aussi, t'as vu? Ah oui, c'est vrai, il y avait les deux. Je ne sais pas. Je ne sais plus, je suis perdu. Exactement. Ouais, moi c'est les massues qui me mettent dedans. Je crois que je vais quand même améliorer ma capacité à sniper avec mes phoenix à un moment donné parce que... J'ai tout donné. Moi aussi. J'ai tout donné. Si ça passe pas, ça passera jamais. J'espère que les moult phoenix vont faire le taf. Ouais, les rampeurs ont rampé, mais c'est tout. Oh putain, les rampeurs chez moi, ils arrivent à atteindre un petit peu son truc, mais après. Ah, je me fais trop sniper. Non, ça passera pas. Ouais, j'ai pas fait assez de rampeurs assez tôt. Attends, parce que là par contre... Ah mais c'est point de fusion quoi, au secours. Ah, c'est encore une game comme ça, à base de 1 milliard de points de fusion qui me déboîte. Ouais. Non, il y avait une compo ultra solide en face. J'ai jamais ouais, su la jamais su la quelque chose. Jamais su la contrer. Petite d'air. Petite d'air avec grand plaisir. Allez. Après moi j'arrête. Oui pareil, après j'irai aussi me coucher. Ah ouais non, la compo qu'il avait, il avait de tout chez moi. Il avait des points de fusion, il avait des balles d'acier, il avait des guêpes, des arcs lumière. Ah, il avait de tout. Ouais. Vraiment vraiment de tout. Écoute, j'ai des géants, je suis obligé de finir par spécialiste des géants, je m'en excuse. Excuse acceptée. Je vais prendre le même. Ah, double spécialiste des géants. Allons-y. Ou par contre, la première, il me faut des trucs pour gérer ça. Contre les balles d'acier, c'est mieux les snipers ou c'est mieux les faiseurs d'orage? Les deux sont pas trop mal en vrai.
Merci, ce sera donc des snipers parce que l'autre est trop cher de toute façon. Ouais, sniper c'est effectivement moins cher. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Oui. Bah moi ça va partir sur balle d'acier, arche lumière, arc de lumière et sniper. Sniper. Il est parti sur des petits crocs en face. Ouais, les faiseurs d'orage sur les balles d'acier, ça marche quand même très bien au début. Après, il y a des améliorations chez les balles d'acier qui rendent les faiseurs d'orage quasi useless. Enfin, quasi, c'est vite dit. Oui, je me suis fait piétiner. Je crois que je vais pas gagner non plus. J'en aurais emporté avec moi autant que possible. Oui, son placement a complètement counter le mien. Non mais réduit le coût de recrutement des unités géantes de 50. C'est la tentation. Ah bah c'est obligatoire, j'ai envie de dire. On a pris spécialiste des géants, bah oui, je crois que... je crois que c'est obligé là. Ah bah oui. En plus, là, de mon côté, si je sors un impérial direct, sans emprunt ni rien, je peux déjà le mettre. Oui. Allez, let's go. Il n'y avait pas de truc, rien. Allez, hein, premier impérial. First Imperial. Let's go. T'as mis quoi, hein? Oh, t'as pas pris de géant. Non, mais j'ai juste déjà débloqué mes bonus d'amélioration d'attaque et de défense. Oh. Il a fait un rhino en face, donc je pourrais faire une forteresse pour contrecarrer le rhino. Il a mis un... Il y a un sniper en face chez moi quand même. Espérons que le truc va tenir. Ah, il y en a deux. Ah, ça peaufine, hein. Ah, ça réfléchit. Ouh, double missile quand même. Ça rigole zéro. Ah, il veut détruire tes balles d'acier avant qu'elles arrivent. Ah bah il va bien les détruire. Mission réussie, monsieur. Je crois, oui. Ça va être validé, ça. Ouais, validé. Ouais, wow, avec les snipers avec. Ah bah il a littéralement rasé mon armée. Oui. En 100 points. Du coup je suis désolé, tu vas taper deux armées hein. Y'a beaucoup de snipers là chez toi? En face non, y'a rien, il a rien contre Vassil, il a des crocs. Bah écoute, si j'arrive à tuer les deux snipers chez moi, on peut arnaquer. Ah mais t'as un truc pour aller les chercher là le sniper Ah non, c'est foutu là. J'ai un bâtiment qui vient de mourir, c'est cuit. Et là, je suis occupé sur les faiseurs d'orage. Non, c'est mort. Ok. Là, on prend cher. Ouh. La remontada. Aïe, aïe. La remontada maintenant. Et si tu as commencé maintenant. Voilà. Comme ça, T3, bim, petite forteresse avec la barrière. Ah. Sachant que la forteresse défonce les rhinos. Ah oui? Oui.
Ok, moult Mustang en face. Ouais, ça meurt beaucoup sur Vulcain, ça, moult Mustang. Oui. Là, j'ai des balles d'acier, par contre. Balles d'acier sur les Mustangs. Ouais, ça, la forteresse, elle trichote le rhino. Et les balles d'acier qui tiennent à peu près là. Ah, elles vont quand même. Oh oui, elles vont vachement m'aider là. Ça se passe ouais. Mieux. Ça se passe mieux également. J'ai perdu l'autre côté, mais au moins on va avoir un bâtiment de chaque côté, donc c'est égalitaire. Non, chez moi ça se passe même bien. Ah, tant mieux. Possiblement ça se gagne grâce à la forteresse et au snipe. J'ai eu mon adversaire en tout cas. Eh ben écoute, je serais pas contre un petit peu de renfort du coup. Oh, ça arrive. Ah ben, ils arrivent justement. Parfait. Ouais, c'est bon, ça va ça. Le faire, on va même marquer pas mal de points, je crois. Ouais, après du coup là je vais perdre ma deuxième, je vais être nerf un peu. Ah oui, après, c'est vrai que ça touche pas tes unités. Ouais, je vais perdre ma forteresse, je pense. Faut espérer que ta forteresse... Non, y'a moyen qu'elle tienne, Elle va tenir, nice. Allez. Par contre, y'a un gros rhino qui file sur mon sniper là. Enfin bon, tant pis. Un sniper de moins. Oui. Après, on avait quand même 800 points. Paf. Ouais, c'est... C'est pas mal. T'as le rhino, il va chercher tous les bâtiments, quoi. Il a une mission dans la vie. C'est ça, c'est... Il sait ce qu'il veut. Bon, par contre, faudra qu'il se fasse... Oui, la forteresse, il le détruit en 3 coups. Ah oui, il reste pas beaucoup de PV, oui. Ça va. Bon. Boum. Allez, boum. On commence. Le prix des Mustangs est réduit, ça vaut le coup ça. Non. Prends avec ce qu'ils ont. Oh, ça juge. Tes restes sont tellement nuls, ça vaut pas le coup. De quoi, les Mustangs? Non, oui, le prix est réduit des... Alors attends, des Mustangs, je regarde. Tire un rayon qui se déplace lentement au sol. Ah, mais si, des Mustangs pour protéger contre les missiles. Oh! Je vois. Fais gaffe, ça se déplace lentement ce truc. C'est trop... c'est passé... Je pense qu'il faudrait que je le mette comme ça même. Je sais pas, j'utilise pas assez. Je sais que c'est lent, mais... Ouais, mais lent à quel point, quoi. Ouais, c'est ça. Je saurais pas trop te dire, là. Je vais venir appuyer ta forteresse. Monsieur est bien urbain. Avec plaisir. Ah, il balance aussi le faisceau. C'est pas facile de trouver un truc qui fonctionne avec ce truc. Ouais, on va pas voir. Pas évident du tout. Du coup, je vais regarder parce que c'est la première fois que j'utilise. Ah, quand même. Ah, par contre, tu déboîtes bien le bouclier. Déjà, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Ah, bah non, regarde. Tu vas détruire la lumière. Voilà, très bien. Ah, ouais, non, c'est ok. Ah par contre il a zappé mon impérial le truc. Ah ouais. Et t'as détruit? Ah oui. Ah il m'a déboîté. Ma forteresse qui s'est fait défoncer par les Ball of Steel. Ah ouais. Ouais. Ah oui c'est les Ball of Steel, c'est un peu des mini points de fusion hein. Ouais. Et là j'ai les crocs là, les vieux crocs tout nuls qui vont tuer mon impérial, je suis dégoûté. Et moi il m'a explosé quoi, avec son truc. Alors, la bonne nouvelle c'est qu'il pourra plus l'utiliser après, mais pouh. Ah oui non, quand je vois comment il a placé son truc pour m'exploser l'impérial, putain ouais, le mec il joue ouais. Hein. Tu dis qu'on joue pas tous pareil au jeu. Je crois. Bon, je crois qu'il va être temps de... De faire un prêt. Oui. Voilà.
Il va être temps de faire un prêt. Ah ouais, il a beaucoup de Mustangs là-bas. Ouais. Pas encore l'amélioration contre les missiles par contre. Bon alors là, il est temps de sortir une petite forteresse. Écoute, j'ai décidé de mettre tous mes œufs dans le même panier, comme on dit. Tout à fait. Donc c'est-à-dire que regarde mon flanc gauche. Tu ne vas pas être déçu. Oui. Ici on donne tout. Ok, je donne tout également. Mon bouclier vient de me sauver de beaucoup d'emmerdements. Les rhinos ont explosé. Les rhinos adverses ? Ah oui. Ton flanc droit par contre Je vais rien sur mon flanc droit, c'est normal. Hein, je... C'est normal, ça fait partie du plan. Du plat. Et toi, ton flanc... Mais ça se perd ça bien va. Pour toi des deux côtés. Pour moi ça va, pour moi ça va. Il va me rester pas mal de trucs même. Ouais, voilà, ça là on arrive. Vrai. Effectivement, le plan se déroule bien. Tu restes pas mal de trucs, mais t'as vu, il reste encore le bouclier de la forteresse. Et le Vulcain, oui. Là, il envoie du bien. J'avoue, ta forteresse qui a toujours son bouclier à ce stade de la game, c'est fou, ça. T'as vraiment roulé sur lui, de ce côté-là. En fait, j'avais pris la muration pour que le vaisseau impérial puisse se redéplacer, donc je pense qu'il s'y attendait pas. Ah, bien vu, ça. Et là, on met pas 3008, mais quand même... On met pas 3008, mais... Oh, j'aime bien ça, hein. J'aime bien ce qui se passe. Hein. Mais on peut regarder notre adversaire droit dans les yeux en disant « Alors, tu fais le malin maintenant ?» Oh, tu pars sur quoi? La ligne de production de tank ou... Ouais, j'ai pris ça sur la forteresse. Oh, vas-y, contre, je vais prendre aussi. Faut que je rebouge l'impérial, parce qu'il va avoir le counter, forcément. On est un petit prêt. Ouais. Hein. De toute façon, sa dernière manche dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens ou dans l'autre, tout à fait. Pal d'acier donne de bons résultats chez moi. Oh, je pourrais avoir super. Deux forteresses. Est-ce que ça a un intérêt à... Non, ça je fais charger donc pas ouf. Oh là là, je fusionne des boucliers à l'infini là. Oh, c'est beau, j'aime. En fait, je pense qu'après une intense réflexion, le mieux c'est quand une idée c'est d'y aller à fond. Ouais. Donc là je peux... Voilà quoi. Bah écoute, je vais même t'appuyer un peu par rapport à ça. Ouais. Je remets des balles d'acier au centre. Très bien, merci monsieur. Non, c'est ça sort pas les points de fusion en face. Je suis étonné. Non. Ok, moi ça j'ai ça sort qu'un impérial mais c'est tout. On a encore full forteresse, il n'y a plus de rhino, les deux ont leur bouclier. Sur mon flanc gauche, c'est compliqué là. Wow, je manque de DPS. Ouais. Je manque de DPS contre les masses. Après, je vais détruire la tour, ça peut être aidé. Attends, c'est pas clair ce qui se passe. C'est plutôt équilibré. De mon côté, c'est gagné. Nice! Bah écoute, je me défends. Parce que je pense qu'avec deux vulcains de forteresse, là, sa masse, on va la déboîte. Oh, je viens de tomber sa forteresse. Je pense que ça passe chez moi. Oui, ça passe large. T'es bien. Oh, ça va finir sur une petite victoire. Ah oui, tu t'es bien mal engagé.
Oh là là. Quelle série ce soir, Marmotte ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, je sais pas, est-ce que tu connais la date des championnats du monde ? Je pense qu'on peut s'inscrire maintenant. Terrible ! Eh, n'empêche, encore une remontada des enfers. Hein. Ah oui, 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 on était bien au fond. Ah ouais, on était au fond, là. Oh là là. Mais ce jeu, c'est vraiment magique, hein, comme tu peux avoir des remontadas de fou. Ouais. Regarde ça, parce que t'as... ce qu'on met. Regarde, mais regarde, on leur met 4 000. Oh, c'est beau. C'était okay, un streamer, d'ailleurs, en face. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Allez, Zirvan. Allez, Zirvan, très bien. Oh là là, quelle soirée. Ah oui, oh, mais c'est vachement bien ce jeu, dis donc. Ah bah écoute, à remettre, hein. Ah bah complètement à remettre. Attends, du coup, on a notre série du jour. Comment attends, ça je peux te la dire. On peut voir. Alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On sait qu'on a fait 8 victoires aujourd'hui. Et 3, 4 défaites, défaites du coup. 3 défaites, défaites. 4. Une. Une défaite, non? Ah oui, oui, une, en effet. Une défaite, ouais, une défaite. Seule, ouais, ouais, une défaite. Une seule défaite. Non, en vrai, 3 ou 4 voilà. Non, je sais plus. Bon, sais après, il y a quelqu'un dans le chat qui a bien compté quand 3, même. 3 défaites sûres, mais ouais. 4, t'as dit, je sais plus. 3 selon le chat, 4 selon les streamers, on sait pas trop, c'est compliqué, on s'embrouille. En face, il est pas content de son teammate. Ah ouais, il y en a qui ont ouvert le stream, il est en train d'engueuler son partenaire. Je crois que nous avons brisé une amitié, Marmotte. Merde. Terrible, terrible. Bah n'empêche qu'il s'est fait bourrer. Hein. Ah oui, 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 du coup, oui, complètement. Enfin, ah bah oui, c'était un immense plaisir en tout cas cette soirée. Ah ouais, carrément, la toujours première... autant de kiff ce jeu. Ah oui, première soirée, c'était déjà vachement cool, mais on s'était bien fait bourrer. Là, ouais. La plaisir. Le plaisir. Ça, le plaisir. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah écoute. Moi, j'ai plus qu'à te dire bonne nuit. Bah tout pareil, je m'en vais aller me coucher aussi. Et on se replanifie ça, hein. Ouais, carrément. Ah oui, carrément. De toute façon, tant qu'on gagne, on est obligé de continuer le jeu. Ouais, voilà, exactement. Tant qu'on fait des séries de victoires. Comme ça, on continue. Exact. Allez, monsieur Marmotte. Des bisous. À bientôt, la bise. La bise. Ciao, ciao.